Toi, Dom, pousse-moi. Oui. Voilà. Ça va? Ça va ou quoi? Ouais, attends, déjà tu vas me rendre mes 20 000 parce que j'ai besoin là. Cette connasse. Wesh tout le monde, wesh. Bien ou quoi? Ah, baisse la musique. Hop. Bon les gars, aujourd'hui c'est chill, hein. Oh, what the fuck? Ah. Oh, ça va, frérot. Tiens, prends ma main. Tiens. Hey, t'as le numéro du... Ah non, mais c'est bon, on va réparer ici, en fait. Non, mais rends-moi mes 20 000. Non, j'ai déjà le consommé, j'ai plus. Rends mes 20 000, je t'ai dit. Allez. Je peux pas, j'ai déjà consommé. Rends mes 20 000. Mais je peux pas te rendre si j'ai déjà consommé. Oh, je suis pas en service. Rends mes 20 000. Bon. Mais je peux pas. Ça va, tes poches, là. Non, mais j'ai rien sur moi. Mais j'ai rien sur moi. Donne ça. Donne. Donne. Ça passe bien la musique. Arrête. Elle casse ses couilles. Elle me victimise. Mais frérot, arrête de menacer. Oh. La musique. Arrête de menacer, j'ai rien sur moi. Do... J'ai tout dépensé, je suis désolée. Mais t'inquiète, je te paye des trucs si tu veux. Et puis. T'as dépensé pour quoi? Bah, pour acheter un véhicule. J'ai déjà fait un prêt. Mon cul, oui. On va le frapper, hein, c'est bon. Pas le choix. Attendez, je mets bien la musique. Hop. Oh, faut que je change de tenue, hein, parce que là, j'ai toujours la même tenue. T'as deux... Putain, faut que j'enlève ça, là. T'as deux écrans, c'est pour ou pas, maintenant? Le bébé, j'ai deux écrans, je reviens, frérot. Allez, allons, là, reste là, là. Reste là. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Reste là, on te dit. Oh. Incroyable ça, peut-être le... Tête de... Oh. Ton sang est blanc. Tiens, je savais que t'étais un star terrestre. Bon, je vais parler avec Bob, il va tuner ma voiture, c'est toi qui vas payer, je te préviens. Tu m'as démasqué, je suis désolé frérot. Tu vas payer. Je vais rien payer, je me casse. Téléphique, tu vois le pas de véhicule, pèse d'aboutu, je te filme, tu vas voir, hein. Je monte ça au capitaine, tu vas voir. Mais c'est bon, c'est la le véhicule à Bob, qu'est-ce qu'on s'en fout, regarde. Arrête de faire ça. T'abuses, hein, je te dis, hein. Ressaisis-toi. Ok, ok. Oui, tapez ma voiture bien. Ou je vais acheter un Merco. Dans la boche, écoute, il faut que je tape ce véhicule. Ah, bah elle est toujours aussi. Il faut que je me tape ce véhicule, tu vois. Non, il faut pas que je me le tape, tu vois. Il faut que je la tape. Il faut que je la... Une jolie moto. Il faut que je la tape bien. Comme ça, je peux la revendre, les gars. Putain, Steam de merde, va. Comme ça, je peux la revendre cher et je peux acheter une grosse véhicule. Tu parles pas en RP? Quoi? Moi, je parlais pas, là. Là j'ai l'argent, hein. Je vais me retaper, je vais me faire plaisir, je vais me mettre à fond, hein. Noah il est là, Noah il sera content s'il est là. Déjà le début du live, c'est déjà la guerre. Non mais si tu vois comme ça, début de live, hein, toujours la guerre. Déjà la couleur c'était temporaire comme ça. Ça on a déjà tuné, On était à là, les roues. Moi je veux du joli roues. Ça c'est beau ça. Parce que quand tu mets ça là dans les roues. Donc, quand tu mets ça, ça fait... Voilà, c'est beau, non? Moi j'aime bien pour changer la couleur, ça passe. Je suis là et je suis trop hype. Vous aimez ou pas? Comment ça passe? T'inquiète, avec Bob on s'est arrangé. Allez.
Mais les gaz là, je tue Nard. Il arrive, ah, hein. Casse-toi là, on va payer toujours. Oh, ben ouais, calme-toi, c'est bon. N'y pas là, c'est bon. Commence bien à me casser les têtes là dès le matin. Ouah, tu parles comment à ta soeur par contre? Bouge là avant que je te tape fort là. Bah, ben, je bouge pas, je vais sur ta voiture. Tu me parles pas comme ça, hein. Va-t'en. Je sors la calache, tu veux sur la calache? Vas-y, sors là, je t'attends. Moi j'ai un bazooka. Oh, comment j'ai fait ça? Tu m'as fait peur, tu m'as claqué dans la tête. Mon véhicule est vivant là. Thierry va m'attaquer. Trouvez un truc les gars, à pied, c'est pas ça, roule tout. Attends, alors, j'arrive. Moteur à fond. Frein à fond. Transmission à fond. Klaxon, blindage à fond. Ouh là, on est là, vous voyez, on laisse pareil. Plaque. Plusieurs plaques. Là, je vais aller chercher ma moto. T'inquiète pas. Elle sera. Vraiment, ce sera la plus belle des motos. Eh, hey, ferme ta bouche, prends les lambades d'un moc là, arrête de me déconcentrer. Eh, hey, toi t'as un babou sur ta tête, arrête de me parler comme ça, hein. Alors, toi t'as un poids sur ta tête que tu parles. Toi t'as une tête de branche goyave alors. Ouais, mais toi t'as une tête de. Ah ah, ça me sèche, hein. T'as une tête de. De nœud, tout simplement. De nœud. Moi je sais pas quelle plaque au mec. Choisis la plaque, allez. Vas-y. Merci CLK, Harry Pro live demain. Harry Pro, ben je sais pas demain. En tout cas, aujourd'hui. Devant. Mais. Ah, devant. Mais non, elle est derrière la plaque. Devant. Demain, je sais pas. Normalement. T'inquiète, demain je vais le forcer à live là. Parce que ça fait trop longtemps, il a pas live. Faut qu'il bouge un peu, il faut live là. Il doit être trop vidéo de temps. Qui change là. Bon, quoi faire. Attends. Ah là, ok. Moi je vais pas mettre Bini, je vais pas faire la pub pour Bini, moi. Il y a deux plaques, du coup, une à l'arrière. Je vais mettre ça, ah moi, non, c'est bon. Soleil, c'est quoi, elle, elle est pas ouf la plaque. Hein. Oh putain, regarde l'intérieur là. Allez, Bob, fais-moi plaisir. Vas-y. Waouh. Oh my god. Luxe. Luxe, c'est luxe. Rentre à l'intérieur, comment c'est luxe. Change la couleur au moins. Change la couleur au moins. Il a live il y a c'est deux jours. C'est ouais, il y a deux jours là, il faut y reprendre. Luxe avec des low. Ah non, ah non, t'as tué des. Oh, t'as tué Tigre des zèbres, Luxe, sérieux. Oh là là. Non, non, c'est. Zèbre Luxe, oh là là. Crocodile. T'es sérieux, oh là là. Tu tues des crocodiles, tu veux tuer des crocodiles, c'est ça? Ah là, c'est mieux. Tu tues aucun animal. Bande tu tues des léopards, t'es sérieux? C'est quoi ça? Un truc militaire. Préférez laquelle, les gars? Non, en vrai, le style là il est pas ouf. Mais c'est juste la couleur qui me gêne en fait. C'est pour mon ça que je change la couleur. T'inquiète, moi je vais mettre zèbre. Pas zèbre, ouais, je vais mettre tigre. Vas-y. T'as tué des tigres, t'es un meurtrier. J'ai pas tué des tigres, t'es bête ou quoi? Oh, regarde une petite décoration. Je vais mettre ta grosse tête. Ah ouais, on va trouver ta grosse tête. Pop. Voilà, ça t'a ta grosse tête. Ah, ça me ressemble. Voilà, on met comme ça, c'est mieux. Le haut pas. Attends, c'est ça... quoi ça? Ça passe. Que j'étais une religieuse. C'est une religieuse. Attends. Je sais pas. Calan, regarde Calan, frère. Oh, waouh. Ah, t'es sérieux? T'as dit je rechante pas à elle, hein. Je rechante pas à elle, hein. Si, ta bouche. Regarde mon volant. Vas-y. Oh, il est stylé, là. Tu peux te le prendre dans la jambe et tout, mais il est stylé. Oh, putain, comment tu conduis avec ça? Je vois pas. Pas baisser. Moi non plus je vois pas bien. Moi je vais mettre ça moi. En vrai ça fait du style mais je sais pas si t'arriveras à bien conduire comme tu veux. Levé de vitesse. Vas-y tu t'es assis dessus là, bouge. Oh je me suis pas assis dessus. Il est où mon levé de vitesse? Je vois pas. Ah il est là, ok. Qu'il y en a pas. Ouais, oh, je mets une grenade moi. Il est là, quoi? C'est quoi ça? La supposito pour ou mettre le pare-brise. C'est vrai, c'est plus vrai. iPro live, non, iPro oh, live. Il tourne un iPro. N'hésitez pas à répéter, les gars, pour les gens qui viennent d'arriver. Eh, je pourrais demander à Bob de tuner ma moto aussi. Bien sûr, il est là pour ça. Ouais. Plaque décorative, c'est où ça? C'est derrière, je crois. Vas-y, change. Ah, ouais, c'est derrière. Ah non, c'est pas là. C'est derrière le vitre. Derrière le vitre, ok.
telle vitre. Pourquoi il arrête pas? Moi je mets ça, ça veut dire quoi ça comme signe les gars? Hey meuf, ça veut dire quoi comme signe? Ouais, les meufs, ouais. Meuf, ça veut dire quoi ça? Où ça? Mais je vois pas. Sur la vitre à l'arrière. La vitre à l'arrière. Ah là! Ça c'est un dollar, non? Attends. Je pense que c'est un dollar, on va laisser ça. Coffre. Regarde dans mon coffre, frérot. Regarde dans mon coffre. Regarde dans mon coffre, frérot. Wow, tiens ton cul devant, je vois rien. Voilà, c'est Andreas. Voilà, c'est là au moins on va bien écouter. Bien écouter ah le ouais, son là. On écoute du son. Attends, on peut toujours rentrer dans les coffres. Hein. J'ai la taille pour rentrer dedans ou pas? Bon. Oh, regarde. C'est quoi ça? Wouah, c'est quoi ça? Oh, y'a plus de place dans le coffre là. Je sais pas, moi je mets tout ça, moi je m'en fous. Voilà, je mets de chabot, bloc moteur, oulala. 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 C'est tout? Oulala. Pas oulala. Oulala, oulala, oulala. Y'a rien qui change là. C'est dans le moteur, t'es bête ou quoi? Ah. Oulala. Tu préfères oulala. Celui-là ou celui-là? Lui. On dirait C'est quoi les ailes? Un entonnoir. Les ailes, ok, ce côté. Et un coup tu disais, oh là là, tu vas trop kiffer ma voiture là. Ah si je la conduis, ouais. Déjà t'as perdu ta moto, de ta vie. T'inquiète là, là j'en ai commandé une nouvelle. Papa. T'as rien commandé, je te dis, tu vas prendre mon argent, t'as cru quoi? Ah bah je te rembourserai, mais dans un mois. Non, bah là c'est mort, là je paye ça, tu vas rien commander de moto là. T'inquiète, on va discuter avec Bob, on va s'arranger. Déjà, tu me donnes cet argent, comme ça. Comme ça, celui qui donne de l'argent. Écoute, perd sa place. Comme ça, je mets de l'argent dans cette voiture et je peux racheter une grosse. Je revends une voiture très très chère après. Parce que Bob fait pas cher. Après, je peux racheter vendre avec un grand collectionneur. Après, je peux racheter une grosse voiture pour moi, une grosse moto pour toi. Réfléchis un peu. Moi, t'as pas regardé ou quoi? T'as pas regardé des films ou quoi? Ouais, mais. Il est où le réservoir? Il est où le réservoir? Je sais pas, attends, derrière. Ah ouais, il est derrière. Ouh. Bah vas-y, change. Ouh. Ah non, bah non. Non, ouais. Bah non, c'est la couleur changée. Ah, c'est devant, vas-y, change. Ah bah non. Non, je sais pas. Allez, protonne-toi, ouais. Peut-être en dessous de la voiture, je sais pas. Bon, allez, ça c'est question fatidique. Les motifs. Oula. C'est fatidique. Pourquoi bénisse, frère? C'est pas notre pote, Ah ouais, si tu mets des motifs, ah ça bah, va être trop stylé. Y'a plus rien. Ah. C'est quoi ça? Y'a une meuf. Je sais pas, y'a des meufs dessus. C'est toi, on va dire que c'est toi et ta soeur. Ah ouais, je m'appelle comment? Je m'appelle. 4 meufs, c'est toi et toi et ta soeur. C'est ça, Voodoo, c'est sorcellerie ça. Ah. Ouais, on va mettre là. Bénisse. Bah, je sais pas, c'est moche les gris. C'est moche les motifs. Je ne mets rien. Désolé Bob, et là tu me déçois. Je m'attendais à mieux. Non, mais les motifs avec le truc blanc, je trouvais ça stylé. Enfin, après... Ça? Non, tout blanc là, avec les meufs dessus. Mais c'était moche, qu'est-ce que tu dis? Ça fait trop Bambi, frère. Ah, ok. Je vais mettre ça. Ok. C'est mon choix. De toute façon, on va voir après le motif. Non, je pas. Pas de motif pour le moment. Ça s'appelle comment ton véhicule? Je sais, aucune idée. What the? Ça en touche pas. Quelle couleur on va le mettre? Quoi? Quelle couleur on va le mettre? Alors là, faut lui mettre une belle couleur. Gars, choisis une couleur, vraiment une couleur qui sort de l'ordinaire. Ah, je la vois déjà sauter là. Bam, bam. Ah, tu mets teinté? Bah ouais. Waouh, on dirait trop une voiture de gang, je sais pas pourquoi. Rose. Oula, là on dirait une voiture d'enterrement. La musique, il se dit quoi? Elle est bien la musique, ah ouais. Un rose, c'est bien. Waouh. Quelle rose? Non, je vais pas mettre rose, hein. Je vais pas mettre rose, ça fait trop rose.
Ça me faisait rappeler une PS, une psa. Ah ouais, courir de ta vie. Une psychiatrie. Moi je vais mettre Verlin, on m'a ça passé à l'intérieur, on m'a pas besoin de changer. Ah, arrête, c'est moche. Voilà, je vais mettre couleur mat moi. Ouais, mais pas noir parce que noir. Je mets noir, dirait, qu'est-ce que tu vas faire? Mais on dirait que tu vas à un enterrement, je te jure. Ben je vais à un enterrement, je vais ton enterrement là. Quoi? Oh, bah t'es reculé. Ah! Je vais où là? Oula. Ah, bah, c'est d'accord, beau, okay. Là c'est beau, on va mettre jaune. Jaune plate. Jaune racine. Ah, c'est pas beau là? Franchement. T'as un peu de la pisse. Hein. Non, parce que c'est normal si t'es pas noir. Bah, c'est quoi ça? Peut-être vert, noir qui brille, peut-être, non, je sais pas. Parce que normal, tu veux quoi? Comme tu veux. C'est voyons. Pourquoi bah, c'est vert, brun, ici quoi. Allez, tu sais quoi, on va mettre un joli rouge. Ouais. Papa. Soit je connais une idée. Trouver un joli couleur comme ça dedans. Si y a ton qui. Je sais pas, je suis obsédé à rentrer dans ta voiture. Pourquoi? Je sais pas. C'est violet ça. Il est violet. Ah ouais, elle est belle. Ah oh, mais je veux pas rentrer dans ta voiture. Ou bleu ultra, violet ou bleu ultra. Attends, je regarde. Ça ou. Oula. Ou le violet. Non, je rentre dans la voiture. Mais. Le violet, carrément le violet. Parce que ça pique les yeux. Arrête de péter ma pente là. Ah ouais. Violet, ok. Elle est belle. On y va pour les gros nichons. Elle est belle. C'est quoi cette musique? Quoi? C'est quoi cette musique? Ça ou ça? Eh, hey, revois ta playlist, frère, hein. C'est quoi ça? On y va, gros nichon. On y. C'est quoi? D'accord, c'est rien. C'est quoi cette pliche? Ah, laisse un. C'est chez moi, c'est pas quoi moi. C'est quoi? Bon, là, faut trouver un joli racine maintenant. Rapapla! En rose. En blanc, ouais. En blanc. Non, je mets bleu ultra. En bleu ultra. Ah ouais. Voilà. Elle est belle. Pff, c'est quoi cette musique? Je te la rachète, combien? 20 000. Ok. Franchement, je la renvoie de 20 000 si tu veux. Parce que moi, tu vois, bah, les couilles un peu. Oh, regarde l'intérieur. Tu peux voir? Ah là, oui, il faut changer, hein. C'est primordial. Tu veux pas mettre les trucs tigre en bleu et ça autour d'une autre couleur? Genre en blanc. Écoute, je sais pas si tu. Iris, écoute, tu vas voir, ferme ta bouche. Ok, je t'attends. J'attends les talents de toi. Tu peux mettre en bleu les trucs, non? Une bonnet A! Chais! Ah ouais, en blanc? Ça. Waouh, mon frère, il a trop de style. Je sais. Ban, approche. Bon, ouais, lever, ouais, là, c'est ban. Mon frère, on va se faire ban. Il a trop de style. Partout là. Ouais. Demon, s'il te plaît. Demon. Aïe, caramba. Demon est mort. Voilà, bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, voilà. Il y a un truc ici là, il y a un truc qui change là, non? Ici, par jante. Mettre un petit. Arrête de glisser sur ma voiture, on va pas la peinture est fraîche ou quoi? Réfléchis un peu dans ta tête, tiens ton cul devant, je regarde la roue. D'accord, désolé. Hein. C'est ta soeur, mais. Bah oui! T'as raté un épisode? Ça va ou quoi, déjà? Je suis en jaune. Tu devines trop toi. Bon. Oh. Pas. Ah non, m'appelle voiture. Ah c'est.
Ah oui, c'est, je la considère comme ma voiture, hein. Je la rachète. Hein. Non, mais 20 mules, je te le donne vraiment. Tu me remets 20 mules, je te rends ça. Jure ? Bah oui, si je te l'ai dit. Je veux les papiers et tout, hein. Bah, ouais. Pourquoi pas ? Oui ? C'est bon, là, je réfléchirai tout à fini. Votre offre. C'est maintenant, sinon ça va monter le prix. Ah, ok. C'est maintenant ça va monter le prix. Alors, allez, choisis vite. Choisis vite. 10 000. 20 000, je t'ai dit. Allez, 18 000, dernier prix. 16 000. 18 000. Je compte qu'à 10. 10. 17 500. 9. 8. 17 900. 18 000 alors. Mon dernier prix. 5. Tu me donnes tout de suite, allez. 3. 18 000. Bah vas-y, donne 5. Non, mais j'ai réfléchi, je vais arracher une moto peut-être. 9. Ok, c'est bon, je l'achète pas. Mais si, achète-la, tu pourras la revendre après. Allez, donne 18 000, allez, j'ai besoin. Non, frérot, je vais acheter ma moto. 10, en plus, j'ai pas ma thune sur moi. 8. Donne mes 10 000 maintenant, allez, bouge pas. Donne mes 10 000, arrête de m'énerver là. Donne mes 10 000, speed. Mais arrête, tu fais quoi là? Vite, donne mes 10 000, je te jure. Mais je te tire dessus. Mais c'est mon frère, tu t'as cru que t'allais me tirer dessus. Donne mes 10 000, 18 000. Vas-y, tire si t'es capable, vas-y, bah t'es mon frère, tu vas pas faire ça quand même. Ça te saoule bien là, ça te saoule bien. Allez, donne mes 18 000, sinon je te refais. Allez, non. Recule, sinon je te tasse. Allez, bouge pas, oui, je t'ai dit. Donne du 8 000, allez, rends mes 18 000 maintenant. Rends. J'ai 3, pas l'argent sur moi. 2, 1. Mais c'est trop une somme d'argent importante, je l'ai pas sur moi. Et... Avance, y'a un guichet en bas, avance. Y'a pas de guichet, et regarde, y'a quelqu'un qui est avant, je vais. Pas. Je vais taper. Avance. Arrête. Arrête. Avant, je te dis! Rends mes 18 000, je te dis, fais pas chiant! Moins mes 20 000, je veux dire! Fais des verres, je sais pas quoi! Ah ouais, t'es fou! Ça me fait encore la merde des verres! Avance! Je compte jusqu'à 20 si t'es pas arrivé là-bas en courant. T'es sérieux à braquer ta sœur? Oh merde, désolé! Non, je voulais pas! Désolé! C'est la triche, t'as pas le droit de faire ça, c'est bon! Non, désolé, mais j'ai pas fait exprès! C'est bon, casse-toi, c'est bon! Je peux plus te voir, c'est bon, casse-toi! Mais j'ai pas fait exprès! Casse-toi, je peux plus te voir! Je voulais pas te taper! Casse-toi, je peux plus te voir! C'est mais bon. C'est bon, mais j'ai c'est rien bon, fait. Allez, casse-toi, je vais plus te voir, prends la voiture, là, casse pas la tête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bouge, tu là, me braques c'est bon. Et c'est toi qui va-t'en, moi je te frappe là, va-t'en. Quoi? C'est bon, je te rends tes 20 000. Bah, tu les veux pas? Moi, je vais aller prendre mon service, j'ai pas besoin d'une meuf comme ça qui me remis vole mon argent, moi je travaille dur. J'ai risqué ma vie avec ce. Casse-toi là, wesh. Casse-toi, je t'ai dit. Quoi, il connaît. C'est bon, hein. Moi j'ai besoin de l'argent, moi. Comme ça pour qu'elle comprenne, elle comprend jamais, sinon elle va jamais grandir. C'est bon, j'en ai marre d'avoir une soeur qui ne m'écoute pas. Moi, je préfère vivre seul. Moi, alors, et comme ça, sinon elle va jamais comprendre. Elle a cru, c'est pas parce qu'elle a 2 ans plus grand que moi, c'est comme si elle est plus grande que moi. Elle est pas plus grande que moi, non, c'est moi le plus grand. J'en ai marre, moi. J'en ai marre, moi. Ça regarde le véhicule, c'est une bonne idée, ça, frérot. Heureusement, t'es là pour rappeler, hein. Comptez sur Noah, là. Incroyable. Ah, mon téléphone est cassé, what? Ah, qui a cassé mon téléphone, wesh? Putain, elle a cassé mon téléphone. Mais sérieux? Trop tard, Noah, t'es bête ou quoi? J'ai déjà sauvegardé. C'est ta soeur, non, c'est bon, non, c'est plus ma soeur, ça, c'est bon. J'ai pas besoin de radin, moi, j'ai juste apprêté 20 000, elle me rend plus, c'est bon, c'est bon, c'est la famille, ça. La famille qui vole la famille.
Depuis quand on voit la famille? Hein? Je crois pas, hein. Regarde, regarde. Pourquoi j'ai eu un message d'eau? C'est qui? Un yeux. Ah ouais, c'est l'autre là. Harry. C'est Chicha, mais non, c'est plus Chichou. Non, c'est ex maintenant. Ex-sœur maintenant. Tu l'as prêté pas donné. T'as raison. Bah ouais. Les gens sont trop des voleurs de jouer de nos joueurs. C'est bon. Pas besoin des gens comme ça, moi. Incroyable. Incroyable. Je dis, hein, je veux ma moto, moi, je veux ma moto. Et ta moto, t'as eu une moto 14 000, t'as même pas réussi à le garder. Perdu. L'argent dans le vent. L'argent dans le blanc. Putain, à cause du lui. Cause d'elle. Cause d'elle, j'ai pété mon outil. Putain de tablette, qu'est-ce qu'on sent? Pas les couilles. La musique passe bien pour toi, c'est vraiment quelque chose de la musique. Hein. Regarde mon véhicule. Oh ben j'ai oublié de payer Bob. Putain ben. Zut alors. C'est pas grave. Sinon vous les gens, vous avez joué la nouvelle saison de Call of Duty ou pas? Qui a joué la nouvelle saison de Call of Duty? Moi j'ai voulu jouer déjà, mais à peine 3 games je recherche une partie, ça prend 5 heures. C'est quoi ça? C'est quoi ce sondage à 100%? J'ai jamais vu ça là. Les gens comme ils sont des voleurs 100%. Ah putain. Moi mais je te fume, du coup j'ai pas envie de jouer. Ouais, quand tu veux. Les deux meilleures maps. Red meilleure map, ouais Red. J'ai pas testé encore parce que ça marchait pas. Je fais que 3 games. Je sais pas s'ils ont réparé là. Est-ce que ce qui jouait là, est-ce que ça marche mieux maintenant? C'est quoi encore le code pour dire on prend son service? On dit 08 18 prix de service. Y'a personne, ça sert à rien pour un prix de service. Hein. Mais est-ce que si je prends au sérieux, je peux rouler en Watchet Flick? Je peux rouler en Watchet Flick ou pas? J'ai pas l'autorisation. Faut que je trouve l'autorisation de. Faut que j'ai l'autorisation de du capitaine, mais il y a personne. Attends, je vais taquer mon liquide. On se met en service. Je vais caler. Fermé, hein. J'entendais pas.
C'est moi, je suis GM, on n'a pas le choix, on est cadet. ...08, prise de service. Bon. Hein? Discat, on arrive te prendre, Discat. Mets-toi devant le PDP, on arrive. Discat. Madame 14, on fait un 10-19. Allô, frérot? Quoi? T'es où? Bah... là, j'allais prendre mon service. T'es où, toi? Comment c'est trop bien quand... y'a pas une rare. T'es bâtard. T'es où, frérot? Ah ouais, super. Ah ouais. Allô, frérot? Quoi? Bah t'es où? Je suis désolé, je te les rends, tes 20 000. Me saoule pas. Je les ai retirés. Mais je les ai retirés. 14, on passe en 10-31. Une cour manoir en dessous de l'Arcadus. Pouah. 50. Frérot. Casse-toi, toi! On part sur 31. Mais. Merci, monsieur. Voilà vos 20 dollars. Voilà vos 20 dollars. Continuez ici, vous inquiétez pas. T'es un ripon, putain. Continuez ici, monsieur, vous inquiétez pas. Je vous couvre. Dépêchez-vous. Allez, plus fort, monsieur, plus fort. Allez, go, 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 go. Plus fort, je vous aide. Allez, go, 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 monsieur, allez. Fin 10-31, 10-10 encore. Finissez-le, monsieur. Michel, allez go go go. Voilà, ah, des coups de pied dans, dans le tibia, voilà. La tête, n'hésitez pas dans la tête, ça. Headshot, headshot plutôt, headshot. Headshot. Ah ta bouche. Oh. Allez monsieur, on l'a ensemble, hein. On l'a ensemble, hein. On est des frères. Voilà. Moi j'ai un nouveau frère, moi c'est lui. Là, c'est... Arrête, ah Bob, c'est toi Bob. Ah oui, moi il m'a payé, il m'a payé. Bah oui, je t'ai dit qu'il allait payer. Oui, mais vas-y, frappe-le maintenant, frappe-le. Mais Bob, c'est bon, je vais te payer ton truc. Frappe-le, Bob, t'inquiète, frappe-le, enchaîne-le. Enchaîne-le. Oh. Enchaîne-le, Bob. Ne vous inquiétez pas, Bob. Arrête. On est là pour ça. C'est bon. On est les services publics. On est les services publics pour ça. J'ai mal. On est les services publics pour ça. Aïe. Aïe. Les services publics, c'est pas pour torturer les gens. Service public. Je suis là pour le public. Pour t'as pas Bob, t'es fou, quoi. Ah, quelqu'un peut appeler elle? Vous avez besoin d'aide, madame? Vous avez besoin d'aide, madame? Non, ok. D'aide le vide de Yundra, merci. Oh là là, vous mêlez pas vos bagas, vous êtes fous? Vous êtes fous? Si vous voulez un baga, faisiez un V1. Un V1, chocolat. Écoute là, hey, 30 prises de service, 30, 18 prises de service. Écoutez là, écoutez, il va dire ça. Hein. 30 prises de service, hein. Ah ouais, jamais je vais envers avec extrême. Mais si t'as fait, vas-y, Javier, je vais prendre code. Vas-y, prends code, vas-y. C'est qui parlait au moins là? C'était quoi sur ma tripule là? Je rappelle plus. Ah, 04? C'est 04 non? C'est 04 non? Ah ouais, c'est. Non, c'est pas 04. C'est 14, ouais, c'est 14. Ah ouais, 04 c'est Fiona. 30 prises de service. Discat, si vous voulez, prenez une Chevrolet et partez en patrouille. Discat. Ma Michap 14, c'est un bon. Je fais la quoi, c'est lui. Et DV, après, pas toujours une jolie Mirko pour moi. Hein. C'est quoi une Chevrolet? Chevrolet banalisé, c'est ça? Je pas toujours une Mercedes, pas pour le moment. Ah, ça.
c'est pas toujours un joli voiture, tu vois. Ok. Et casse-toi là, je t'ai dit là. Commence pas à me casser les reins là. Va prendre ton véhicule, me suis pas là. Mais non, on peut pas. Casse-toi. On peut pas patrouiller seul. Bouge-toi là, laisse-moi conduire. Bouge-toi. Ok, ok, calme-toi, c'est bon. On se fait tirer dessus, faut dans le fils. Vas-y, mets la pause vite, mets la pause. Merci pour l'abonnement, pour Yunra Kalis, merci. Mais ils ont pas dit où. Vas-y, demande, t'es bête ou quoi? Dis-le, fais un code 2. C'est, faites un code 2, s'il vous plaît. Non, c'est barré, on sait pas d'où ça vient. 10-4. Merci, Si vous voulez, on peut retourner X-Ray. Kais, tu l'as dit quoi? En quoi, pardon? En X-Ray, en voiture en A4. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme ça, moi, je montre un peu les codes. On part en Henri, enfin, en 4. Ouais, Faites un 19 et puis on part en X-Ray. Oui, si, peut-être, non? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Bah, je sais pas. Il a dit 10-19, c'est rentré à la base, non? Ouais. Bah, on a même pas dit qu'on partait, alors. Bah, voilà, si, il a dit. Allez, rangez le véhicule, je vais prendre moi dessus. 10-4. Rangez le véhicule, comment ranger un véhicule? C'est là-bas, c'est à gauche. Droite, pardon. Ouais, là. Là? Ouais. Voilà. Conduis. Allez-y, si tu conduis, allez-y. Salut 14. Ça va quoi? Ça va et toi? Tranquillement. Merci Kess qui offre, qui prend son abonnement pour un troisième mois. Merci, plein de GG à lui. Ok, donc là on est en quoi? Quoi? Il ferait 14. Voilà, ouais. Et on fait quoi? C'est pas Henri? Non, Henri c'est un hélico. Henri c'est un hélico, Eris. H pour Henri. Okay. Marie pour moto. Ah oui. Donc du coup, je fais l'école. Ouais, vas-y, bah, t'es en passager, hein, donc oui. X-Ray 14, on part en 10-41, secteur 1-2. Rien compris, Thierry. Pourquoi 10-41? 10-4. 10-41, c'est. C'est début de patrouille. Début de patrouille dans les secteurs 1 et 2, donc 1 et 2, c'est en vie complètement. 5 et 6, 4 et 3, pardon, c'est Sandy Shore et base militaire. Et 5 et 6, c'est Paeto et Grabsit. Bah, ça okay. Se voit, t'as rien révisé, Eris. Hein. Bah, toi aussi, tu savais pas. Bah, alors, je savais, qu'est-ce que tu dis. On va où là? On patrouille dans la ville, c'est ça? C'est ça. Ouais, dans secteur 1 et 2. Alors, c'était. Vous avez eu de la vente aujourd'hui? De la vente? De quoi? Vous avez des clients aujourd'hui? Oh non, c'est pas mordu, tu sais. Pas de clients? C'était clam. C'est pas mordu. Ouais, c'était clam. Ah, zut. Bon, j'ai pris mon service à 10 minutes. Hein. Mais vous êtes quel grade 14? Officier 1. D'accord. Bah, tu peux compter comme un sergent. Hein. Ah, oui, carrément. Oui, sergent, fait... c'est en dessous ou au-dessus? C'est au-dessus, bah, en fait, j'ai fait trop de conneries. C'est pour ça que je monte pas en grade. Justi, j'ai envoyé deux cadeaux à l'hosto. J'ai tiré au-dessus d'un collègue. Oh, c'est pas rien de grave, hein. Oui, bah oui. Routine, hein. C'est à qui la voiture bleue? C'est moi, elle est belle, hein. Ouais, elle est pas mal. J'aime bien. Je trouve à l'intérieur, elle est badass. Ouais, elle est belle en vrai. Ouais, elle est pas mal. Y'a le système hydraulique dedans? Dis-moi, les gars. Comment? T'as mis un système hydraulique? Ouais. Comme dans les clips de rap, là, de son tag. Ouais, saute. Moi je suis dégoûté, ça. J'ai commandé au Consoto une Commoda et ça fait 2 mois que j'attends. Un quoi? Ah ouais, autant? Une Commoda, les gars. Ils me disent, ouais, t'inquiète, quand on a les stocks, je t'appelle, j'ai commandé tout, mais. Ça ressemble à quoi? Vous avez payé? Non, pas encore, non, j'ai juste précommandé quoi en soi. Commoda, on n'est pas ses voix. Commoda, c'est une Alfa Romeo Giulia, en gros. Ah! J'ai commandé ça, mais bon. Il est temps arrivé. Attends, c'est bizarre, j'en ai jamais envie. Non. Salut tout le monde, merci Peck. Après, Peck, si c'est un bien problème ou quoi, Peck? Stock,
Oui, hein. Depuis 2 ans, il semble que tu as tout ça que. Pareil, les véhicules, on veut les changer, mais. Là, mais comment ? On galère à les changer. Merci, KS, encore qui est en face. Merci, poteau. Des GG à lui. Nos véhicules de fonction ? Ouais. GG, voilà, des GG. Officier 14, j'écoute. Ouais, dis-moi. Dis-lui à Komada. Et. Si tu veux, il y a le lieutenant au PDP, j'ai vu. Aaron. Si, il est dispo, je pense. Hein ? La boule à feu rouge en bas, monsieur. Je le suis ? Ouais, vas-y, prends le. Vas-y, on arrive. Bon, il fait un petit contrôle et puis vous n'êtes pas d'amende. Hein, vous... cette fois. X-ray 14 10 10 en cours armurerie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Papier du véhicule et permis s'il vous plaît. Ah là 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 là. Vous savez pourquoi on vous arrête ? Pour la vitesse. Et pour un feu rouge gris aussi. Lequel ? Celui là-bas. Ah là, il et... manque plein. En face du parc central. Ok. Bah là c'est bon pour le permis. Je le dis pas, arrête, c'est bon, ça suffit. Faire quoi d'autre ? C'est 14. Bah là tu dis comme quoi que tu le préviens et la prochaine fois c'est une amende. Bah la prochaine fois c'est une amende monsieur. Compris monsieur Woods ? Trop bien, ouais. On reste comme sur la vitesse ? Oui, toujours. Bah, oui. Toujours on respecte. Ok, ok. Allez, voilà, bonsoir voilà. À toi. Merci à vous aussi. Pas de soucis. Ciao. X-ray 14, fin de 10-10, repos 10-41. Au-dessus de sergent, y'a quoi ? Sergent chef, après c'est lieutenant, après c'est lieutenant-major, après c'est capitaine et après c'est commandant. Et après t'as état-major. Oui, état-major, je crois qu'il y en a plus. Bientôt, t'inquiète. Qu'on a pas mis d'amon. Bah en sang, on l'a comment? On l'a pris comme ça, tu vois. On met pas d'amende parce qu'en soi, il a pas fait un délit de fuite, il a juste grillé un feu. Bon, c'est dans la loi, dans l'égalité, pardon. Mais vaut mieux être cool avec eux, tu vois. Comme ça, plus tard, ils nous cassent pas les couilles. Parce que des fois, on tombe sur des cons, je te promets. Je connais la loi par cœur, hein, mais c'est mon 14. D'accord. On fait chier, mais pas trop. Ouais, faut. En fait, si, ça dépend d'un monde. Ça dépend. Tu vois, si le gars il roule à 200 à l'heure, bien sûr, tu mets une amende, bien sûr, tu lui fais tout, tu vois. Mais si le gars a juste créé un feu, puis t'as 10 km en dessous, c'est pas non plus. Oh, y'a un Kourma d'ailleurs. Ouais, faites un 19, faut qu'on. Je dois reprendre une plainte. Il serait 14, 10, 19. 69, tu vas prendre la plainte, je vais voir comment tu fais. Pense-toi, prenez-moi un SUV, puis partez en patrouille. Du coup, c'est qui conduit là ? Là, c'est moi qui conduis. Patricule ? 08. Ouais, donc tu dis, tu préviens radio que le X-ray 14 se transforme en Adam 08 et que vous partez en 1041. Ok. D'accord. Je dis ça tout de suite. Répète Adam 30. C'est d'où ? Ah bah Adam 08. Attends, je vais vous faire. T'es pas doué. Le. Je sais pas le faire, hein. Le X-ray 14 se transforme en Adam 08 et ils sont 10-41, oh, secteur 1-2. Tu vois. Faut que ça vienne comme ça, bon, non, tu vas lui quoi, t'as les codes radio. T'as compris, Iris, hein. Oui, oui, j'ai compris. Allez, à tout de suite. T'es là, on va faire le fou. Là, on va faire le fou maintenant, il est plus là. Là, on va accélérer là maintenant. Voilà, faut trouver des gens à amender, hein. Et moi je mets des amendes moi.
Moi j'ai envie de dire, vous êtes en état d'arrestation, tout ce que vous direz sera rendu contre vous dans une cour de justice. Vous avez le droit d'un avocat ou d'un... D'accord. Non mais j'étais en train de m'entraîner parce que je sais même pas si c'est juste ce que j'ai dit. Eh, c'est pas un problème ça. Ok. Merci, caisse en coq qui offre un quatrième abonnement. Oh là là, il est chaud, vas-y, des GG pour le poteau. 30 pour 14. Écoute. Il faut quel grade pour passer le PPA? Vous allez plutôt passer, on va prendre rendez-vous pour votre visite médicale. Moi j'ai déjà passé. 4. Ouais, t'as de la chance toi. Mais moi je voulais trop y aller. J'ai visite médicale, c'est chiant le visite médicale. Pourquoi tu l'as... T'as réussi la visite médicale? Bah ouais, logique. Là, on te demande qu'il nous retape la voiture un peu. Là. Ton permis, tu vas te faire virer. Pas grave, ça. Toi, tu vas bientôt te faire virer, je pense, quoi. Ah bah, après, je suis sûr que tu sais t'es même pas. Voleuse, vas-y, déjà. C'est quoi le code radio? Quoi, code moi, radio, je suis une voleuse. Bah oui, t'es une vas-y, voleuse. Bah, ouais. Dis-le-moi le code radio qu'il fallait dire, voir si t'es un bon flic. Me dire quoi? Bah, le code radio quand on parle, vas-y. Quand oui, on doit partir, nous deux. On doit partir? Bah. Quand, non, si on part du PDP tous les deux. Voilà. On peut être PDP tous les deux? Oui, si on part tous 08, les deux du PDP. On part en Adam, le secteur 1. Allez, dans ta gueule, ferme ta gueule maintenant. Ferme ta non, gueule, allez, non, ferme c'est ta pas bouche. Ça, c'est. Adam 08, 08 secteur Adam. 1. J'aime ta bouche, j'aime ta bouche. J'aime ta bouche. T'as le seum, t'as le seum. C'est Adam 08, 1041, secteur 1 et 2. Rien à dire ce que tu viens de dire. Bah si, 10-41, ça veut dire qu'on part en patrouille. Ta bouche, il y a une voiture de sport qui nous suit. Ah bon? Pourquoi elle nous suit? Ça fait bizarre. C'est qui va les arrêter. Bah. Bonjour. Oh le vent. Oh, j'aurais pas aimé. Là, ça mérite une amende. C'est nous qui le filmons maintenant. Vas-y. Calme-toi, calme. Quoi? Il a dit à l'aide. Non mais retourne. Il a dit à l'aide, le gars. J'ai c'est entendu. Je crois. Je suis pas sûr. Va voir la voiture. Il est passé où? Sous les yeux. Vas-y, j'ouvre mes yeux. Les yeux moi, je regarde devant, moi. Bah là, elle est partie, hein. Putain, mais tu allais pas ouvrir ta bouche plus tôt? Mais j'étais en train de te le dire, t'as activé les gyrophares. Ils ont dû fuir. Merci, qu'est-ce qui offre aucun abonnement? Putain, il est chaud. Des GG. Ah putain, on l'a perdu. Mais pourquoi il accède pas aussi, lui, s'il était... Putain, t'es sérieux, si t'es chiant. Eh, hey, c'est pas ma faute, t'as activé les gyrophares. Hein. Mais voilà. Non, pas besoin de dire à la radio, on laisse pas nous ça, c'est un business. Ah ouais, vas-y, signale à la radio, une Ferrari rouge. Ferrari noir rouge. Ouais. Passé à côté, qui dit à l'aide, mais qui a pris la fuite vers le secteur. Allez, on va voir si tu sais parler. Vas-y. 30 pour centrale, une Ferrari rouge et noire était étrange et une personne a appelé à l'aide et la Ferrari a pris la fuite ensuite. Bon, 10-20, je suis en beau, j'arrive. Un quoi? Fais un code rouge, t'as dit. Non, je sais pas en fait. Je sais pas. Mais merde, toi, c'est toi qui as parlé, de toute façon. Vas-y, j'ai fait un code 2. Je sais pas si c'est ça qu'ils voulaient qu'on fasse. Ah. Ça se fait 14, 10, 37 sur 10 ans. Quoi? Ah, c'est qui ça? Bonjour, monsieur. Ouais. Ah, attention, monsieur. Frottez pas mon pare-choc. Oulala, vous allez abîmer votre jolie voiture. Vous m'avez cogné. Hein? Ah, je vous ai cogné. Autant pour moi, alors, j'ai pas vu. Ça va? Ça va très bien, et vous? Vous avez pas vu une Ferrari rouge passer? Une Ferrari rouge? Rouge et tout. Noir. Non. 39, tu gères bien pour la plainte, hein, tu fais signer, monsieur.
Enfin, pas rouge et noir, enfin, elle est. Genre une sorte de type F40 un peu. Ouais, un peu F40. Merci, ouais, qu'est-ce qui offre encore un abonnement à Noah. Aïe aïe aïe, Noah, il est content, la Noah. Merci, après, si jamais j'envoie une, je vous fais un message, enfin, je fais un appel et l'expédie si vous voulez. Ok, merci, d'accord, bien. D'accord. Ça marche. Elle est où, la Ferrari? Il a pris la fuite, vers là-bas. Endroit prise de service. Vers les quartiers. Vers les quartiers à l'arrière de nous, là. Mais on l'a perdu. Okay. On l'a perdu, oui, on a essayé de la retrouver. Ferrari, mais on l'a perdu. Au noir et des couleurs rouges, un peu. Ok, bah j'ai pas trouvé, je vais voir. Okay. Ouais. Bon, moi je vous laisse, 10-4. Monsieur, bonne patrouille et. Merci. Voilà. Bonne journée, monsieur. À vous aussi. Merci, ah oui, remercie Noah, c'est bien. Des GG à lui quand même. Combien il est arrivé en Ferrari, il croyait qu'on était en poursuite. Bah, je vais plus vite à sa Ferrari. Mais c'est toi, t'es chiant, frère. Fais chier un peu. Mais quoi, je suis chiant. Je t'ai dit en plus, après t'as activé les gyrophares. Et en plus, t'es allé tout droit, je sais même pas pourquoi. Mais t'as cru, je savais, moi je croyais, moi je voulais le montrer que sa Ferrari était la merde. SHP 14-19. Hein? Quoi? Mais je comprends rien. Eh, hein. Faut le dire, l'articuler lui. Mais il a dit 19, je crois, il rentre. Ok. On va patrouiller là-bas alors s'il rentre. Hop hop, petit poteau. Ouais, c'est bizarre. Hein. Faut peut-être trouver des endroits où on peut pas. Peut-être il est en train de faire kidnapper, il a dit à l'aide. Ou ouais, peut-être on se fait des films et c'était une blague. Ouais, ou peut-être. Ouais. Ou peut-être il est en train de se faire torturer en ce moment, je sais pas. Ou peut-être, ouais. Non, ouais. C'est à cause de qui? Madame la meilleure cadet. Non, à cause de vous. La monsieur meilleure cadet. À cause de 08. Bon, regarde les traces des pneus. Moi, je reconnais une Ferrari, je l'ai retrouvée, moi, regarde. Passe ici. Wow. Les pneus là, regarde. Tu vois les pneus, regarde. Ouais, bof, ouais, je vois bof, ouais. Je sais pas comment t'arrives à voir, mais. Bah, dans la neige, c'est bête ou quoi. Et après, elle est passée où? Allez là! Ah non, c'est pas elle. Putain, tu as fait peur. Merci, qu'est-ce qui offre encore un abonnement? Cet abonnement! Mais t'es sûr, elle était noire et rouge, elle était pas blanche? Quelle blanche, t'es bête ou quoi? T'es 14 à la dame 08. 14 à 10-4. Faites un 19 pour prendre 33 en patrouille. Ok. 10-4. Merci, 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 KS et merci à. Attends. Si, si. Oh putain. 10-19 à Dame 08. Quoi, tu dis quoi là? Là, là, va au PDP. Faut qu'on aille chercher 69 ou je sais pas quoi. Ou... Merci, Siso Kosa Bumbem. Merci, merci pour ton deuxième mois. Putain, vous avez des pseudos, les gars. Désolé si je prononce mal. Merci, merci pour ton sub. GG à lui aussi. Quand on resub, ça fait plaisir. Oh putain, on va ramener un migraine avec nous là, il va nous poucave son roule lui. Poucave ce Batco, hein, il va nous poucave. Café crème délicieux. Salut BG, ça va ou quoi? Ah ouais, c'est toi ça, Cyclope? Ah ouais, c'est Cyclope moi. Ah c'est bon, il va pas de pouca, vas-y fais on va en Xavier, on va en quoi là? Attends, laisse-moi faire, dis-moi qu'est-ce que je veux faire, je veux faire le beau gosse. Tu dois dire Tango 08. Quoi Tango 08? Non, 10-40. Tango 0 non 08 pour Adam je te ressemble en Tango. Hein? C'est pas une danse ça le Tango? Oui oui, tu mets 08 pour Adam je te ressemble en Tango. 10-4. Je suis trop fort. Mais après fallait que tu dises 10-41 secteur 1 secteur. On va, secteur, couilles, on va se calmer sur sans, ah, sur sans interdit hein. Je vous vois. Hein. Go 08. Ah bah c'est 08 qui conduit. Hein. C'est pas 08. Vas-y, dis Cyclope. Un petit tour de PP. De bois. Ah non, désolé, c'est Cyclope qui conduit. Cyclope, je te poucave pas, Cyclope, on est là, je donne négatif, c'est faux. Ouais, puisque c'est le Tango 08, donc ce sera 08 qui me fera un truc PDP. Il fait quoi, elle frappe de PDP? Et vu que 30 à Mito aussi, elle fera aussi un truc. 10-4. T'es un connard, ouais. 10-4. Attends, on va PDP là, on fait quoi là? Il a dit quoi? Je sais pas. Oh putain. On a rien compris, on fait pas. Ah merde. Est-ce que non, si c'est interdit, y'avait pas de panneau. Bon, Cyclope, on recherche un Ferrari. Une Ferrari, ouais. Une Ferrari rouge et noire, un skip, mais je la voyais blanche. Bon, bref, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Et en gros, il y a une personne qui disait à l'aide à l'intérieur et on l'a perdu de vue après. Ah, ouais.
Effectivement. Va. C'est problématique. On va pas. Ouais. Ah, c'est maintenant qu'on va. Non, c'est pas maintenant. Ah, je sais pas si on va la retrouver, hein, parce que là. Ouais, je vais sortir de la M4. T'étais où, Cyclo? Il y a depuis 2 jours, t'es pas là, tu vas te faire virer, hein. Je faisais dodo. Et ah ouais, faut vamper des pieds maintenant. Oh, trop beau les sapins. J'avais une gastro intérieure. 30 pour 14. Écoute. On doit venir au PDP? Non, quand tu comptes au 19. On passe pour un 10-31. 10-4. C'est ce que c'est un 19? Dis-le, on part pour un 10-31. 10-4, ça veut dire rentrer au PDP. Ta mère, dis-le, on passe en 10-31, ouais. T'es pas ouais. Ou quoi? On passe ton 10-31. Sûr? Ah, c'est bon, il s'est arrêté. Ah non, il s'arrête pas, il fait con. Non, 10-31 sur secteur. Concessionnaire. Fais un code 2. Ah, ok. Je vais faire un code 2. Okay, Mercedes, okay. Classe E, noir. Putain, il est où? Mercedes, classe E, noir. Ouvre les yeux. Derrière. Tourne, vite. Allez, go. À gauche. Ouais, là, vas-y, roule. Non, pas là. Ouais, frère, tu dis ouais, frère. Ferme ta gueule si tu dis à gauche. Tu dis ouais, c'est bon, tu saoules. Si elle parle plus. Ah, oh. Là. Voilà, arrêtez-vous. Fin code 2. Vas-y. Arrêtez-vous. Il roule en arrière. Là, je me concentre. Mais elle fiche trop, frère. Dépêche-toi, 69 sort. Le bâtard. Putain de merde. Madame 14, on peut rejoindre le 10-41. Non, 10-31, on rejoint 10-76 sur le. Sur la 10-31. Mais vous sur 10-1, parce que c'est. On comprend plus rien. 10-20 euros aussi. 10-4. Anticipe. Ah, oh, shit. On est où là? Ah, j'ai vu. Opa! Je te cavais pas les gars, vous cavez pas les gars, je vais me faire virer. t'as fait quoi? On va trouver une solution, vous inquiétez pas. Non, dis pas! Non, c'est bon, on l'a perdu. Vers les pré-droites. On a perdu la voiture vers le port Marina. Ça va être compliqué là. Ah, mais putain, mais non! Pas trouvé côté, on va essayer de trouver. Ah, non, mais ils vont venir, hein. T'es foutu là! T'es foutu! T'es foutu! Ok, on la met dans l'eau, y'a pas de problème comme ça. Ah ouais, mais nous on rentre comment? Vas-y, essaye de passer. Oh, y'a un témoin. Ça va passer. Regardez. Hein? Hein? Oh putain, c'est rapide le nom. Oh, ça passe, t'as ouf. Ah ouais, wow. On t'entendait, on abuse, hein, c'est bon, hein. Waouh! Ça c'est de la marche arrière, hein. Merci Bob! La couleur du véhicule, s'il vous plaît. Il a dit quoi? La description du véhicule. Classe E, Mercedes, couleur noir mat ou bleu marine. Couleur sombre. Qu'est-ce qu'il a dit? Couleur sombre. Ah, il articule pas bien. Mais on va retrouver la voiture. Putain. Je sais pas où elle est partie. À mon avis, elle est partie tout là-bas. Et on l'a perdue ici. Ouais. Ouais, bah écoutez, faut pas trouver. De toute façon, on va pas trouver aussi. Puis on... Une Ferrari, mais une Mercedes. Tiens. Incroyable ça. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Puis on n'arrive pas à les suivre avec ces véhicules, non? Ouais, ils arrivent, mais j'arrive le coincer, hein. Ouais, mais ces véhicules-là sont beaucoup trop loin. Ouais. Je peux les percuter ou pas? Ouh! Oh, ouais. Oh, 10-31 sur une Merco rose. Ouais, j'ai un Miami. Marina, t'imagines, c'est le même, il a eu le temps de changer la peinture. C'est pas une classe E, ça? Je sais pas. Oh! Oh! Et...
Bon, guidez-moi bien. Bah ouais, 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 t'inquiète. Toi, tu dis à là, gauche, là, tu roules tout droit. Ok. Ah bah, ils ont craché. Vas-y, roule tout droit, roule tout droit. Roule tout droit, roule tout droit. Allez, vas-y, va les trouver, va les trouver. Tout droit, tout droit, tout droit. Vas-y, suis le chemin, suis le chemin. Là, on les trouve plus, hein. J'ai perdu 31. Nous aussi, on a perdu 10-31. Biscuit. Vas-y. Putain! T'as fait chier. On perd tous les trucs, là. Meilleure brigade, hein. Bravo, ouais, Iris, t'es chiant, frère, tu sais pas. Mais j'ai rien fait. C'est rien fait, Iris, c'est bon. Mais tu sais, ça, c'est bon, ça. Laisse, laisse. Cyclope, c'est pas ma faute, là. Mais t'envoies des mauvaises ondes, c'est pour ça. Non, mais il me disait à gauche tout à l'heure, on l'aurait chopé, sinon. Là, je me sens stressé. Mais non, mais j'ai rien dit du tout. Ils l'ont retrouvé. 08 pour 14 veut virer Iris. J'ai cru que tu avais vraiment dit. T'as bu, c'est bon. En plus, t'as vu ce que t'as fait? T'as fait au moins 50 codes, frère. T'es bête, mais ou quoi? Mais je savais pas, désolé, je ferais plus. C'est bon, toi aussi t'es cadet et on apprend, hein. Toi aussi t'aurais fait pareil. Hein. Bah, on apprend rien, c'est bon, hein. Là, tu t'abuses. Eh, c'est pas moi qui conduis, hein. Mais 50 codes, allez, 50 codes, on. On prend un 10-31 sur une shafter verte niveau. Je fais un 10-1. Eh, nia! Vous vous situez où, 14? 10-20. Ok, vas-y, go, on va les intercepter. Bah, y'a le cup 2, tu vois pas? Ok, vas-y, je mets le GPS. Mais comme ça, j'ai la route la plus facile, t'es bête ou quoi? T'as cru que j'allais suivre un point jaune, vert, daltonien. Fin 10-31, 10 encore. C'est bon. J'arrive pas à mettre le GPS, désolé. Eh ben voilà, si on a un allié comme ça, frère, c'est sûr on va jamais gagner. Oh, comment c'est sûr on va faire 0 victoire. Ah, c'est bon, hein. Voilà. 0 victoire, on aura un ratio de merde à la fin, et ben bravo. Ouais, le sang, ça ah va ou quoi? Ils ont perdu le 10-30. Mais c'est bon, pourquoi tu mets un GPS? Mais non, Iris, t'es chiant, c'est bon, on a plus besoin. Mais c'est pas moi, c'est Cyclope. Arrête de foutre la faute sur Cyclope, c'est pas parce qu'il a un œil, il est con, hein. Il est pas con quand même. Il a eu son examen sans rien passer. Mais arrête, c'est bon, c'est pas que ma faute, hein. Et on lève le GPS. Cyclope dit la vérité, hein. Incroyable, hein. Moi, c'est pour être flippé, il travaille avec un bras cassé comme toi, laisse tomber, hein. Pardon, une bras cassé, une voleuse. Même pas suivre une truc, si hein, tu parlais bien, désolé, peut-être hein. Ça aurait été plus facile, non? Bah ouais, mais désolé, mais si tu savais bien rouler aussi. Mais viens conduire dans la neige, toi, tu vas rouler à moins ton qui. Arrêtez de vous disputer, prenez un café crème, j'en ai pris pour vous, tenez. Ça va vous détendre. Merci. De rien. Toujours prendre un café crème avec 6 sucres. 6 sucres? Ah non, je vais pas. Ah ouais? Quoi? C'est délicieux. Ah, je vais finir diabétique. Mais non. Ça, c'est des conneries, ça. T'es 24 de là, ouais. C'est des voleurs, c'est une voleuse. Oh, ah. Oh. Ah bah. Ah là-bas. Eh ben alors? Oui. Eh ben alors, monsieur? On fait durer des rois? Non, c'est pas ce que vous croyez. Ah bah sur le bas côté. Vas-y, roulez là. Vas-y, roulez, monsieur. Moi, je vais essayer de vous suivre là. Juste un entraînement, vas-y. Ça passe entre nous. Ah, il a pas compris. Non, roulez, monsieur. Roulez, ça. L'entraînement, je vais m'entraîner. Après, s'il veut se faire contrôler. Bah, si vous voulez faire contrôler, allez, c'est parti. Ah ouais. Ok, on sort les matraques. Okay. Non, si vous voulez. Non, si vous voulez, on peut essayer. Non, allez, monsieur. Vous prenez prénom, permis. Carte d'identité. Okay. Permis. Alors, conduire. Ok, je vous donne tout ça. Monsieur, comment? Vous savez pourquoi on vous arrête? Pourquoi ça? Pour rien. Hein. Ouais, pour rien. Bah ouais. Ok. C'est la famille. Bah... Mais je vous jure, ça m'a lâché. Genre, je l'ai lâché sans faire exprès. J'ai pas fait exprès. Non, c'est pas grave. Vous pouvez faire durer d'eau, hein, ça me dérange pas. Ah ouais? Bah oui. Hein, moi, je fais ça par donne le dedans. J'ai la même voiture qui fait durer d'eau. Ah ouais. Ok. Bah ouais. Ouais. Ouais, on vous arrête. Du coup, permis et. Oui, je fais un contrôle de routine. Permis et carte d'identité avant, après du permis, après. Voilà. Attendez, attendez, je regarde dans la protection. Elle est pas trop belle, ma question. 10-10, non. Je l'ai pas sur moi, le permis. Ah bon? Ouais.
Ah bon? Quoi? Comment alors, ça se là fait là, par contre, là, vous avez le droit de voter, mais... Adam 14... Là, ça va se prendre la matraque in 19. The poop, hein. Cyclope, tu sais comment on fait le truc quand on a arrêté quelqu'un ou je sais pas quoi, là? Attends, on va pas l'arrêter tout de suite, parce que ça, monsieur, non, une bonne raison. Non, mais pas arrêter, mais je veux dire, on est en arrêt. Oui, oui, j'ai une bonne raison, j'ai une bonne raison, alors. Écoutez, écoutons sa raison. Écoutez, allez, avec la neige, ça a fait bouger mes roues, vous voyez? Et en fait, je suis resté sur place, et alors, bah, à un moment, il y avait plus de neige, vous voyez? Quand ça tourne, bah, la neige est partie. On parle de ça, pourquoi vous avez pas de permis? Ah, j'ai pas de permis. Vous avez pas le permis, tout court? Ouais. Mais regardez ma voiture. Je vais pas mettre mon permis dans... Voilà, regardez, elle est pas très... Ah, mais désolé, ça va être une petite amende, monsieur. Oh, je vais prendre la voiture. Oulala, il faut l'arrêter. Vous avez pas de permis. C'est pas urgent. Vous avez pas de permis, vous conduisez, mais vous avez pas de permis. Si, j'ai, mais... Attention ! Mais il est cool, c'est là. Mais pourquoi on lui a passé le véhicule? Putain, mais il est vraiment... Attendez. Monsieur, ça va? Monsieur, mais t'es vraiment con ou quoi? Casse-toi! C'est pas conduire, c'est pas possible! Désolé! Tu parles de se conduire, monsieur, ça va? Non, mais. C'est bon, monsieur, fais pas la comédie, je peux pas aller en prison, c'est bon, on est facile là. On met pas d'amende! On met pas d'amende, c'est bon! La personne qui a osé jeter son gilet par balle dans les vestiaires a intérêt à revenir de ce point au commissariat. Vous avez cru que c'était chez votre mère? Qu'est-ce qu'il parle, lui? Attends, qu'est-ce qu'il parle, attends? Dis quoi? Monsieur, ça va, attends, on récupère votre voiture. Dans 10 minutes, le gilet pare-balles a intérêt à être ramassé. Sinon, tout le monde va faire 3 tours de PDP. Compris? Ça rien, 3 tours. Disquette. Bah, c'est pas nous. L'urgence, il faut y aller là. Bah, c'est pas nous qui a fait le tour. Monsieur, ouais, c'est pas nous, enfin. C'est toi, c'est là. Il faut que je répare mon véhicule. C'est pas moi. Bah, monsieur, on vous file pour aujourd'hui, mais. Et désolé, et allez passer maintenant le permis. Passe maintenant le permis. Allez passer maintenant, parce que là c'est très important. Nous on est gentils parce qu'on est des débutants, mais la prochaine fois, nos gradés ils vont pas être gentils. Je vous promets. Allez, on ralasse. Mais il faut juste. Allez, on y va. 1000 euros pour réparer mon véhicule. On ralasse. Oh, bah ça vous travaillez, puis parce que c'est un véhicule assez. Voilà, c'est dur à réparer. C'est un vieux véhicule. Ça démarre encore. Vous pouvez aller au mécano là. Vous pouvez aller. Attendez, je regarde si ça démarre. Ouais, je viens de l'avancer. Ah ouais, bah ouais. Mais il faut réparer les phares et tout, vous voyez, c'est... Ouais, mais... Bon, après, c'est comme vous voulez, hein. Votre carte bancaire, et puis voilà. C'est comme vous voulez, Ah. Laissez-nous tranquille. Allez, bonne nuit. Ah, ok, merci. Mais toi, t'es belle, on lui donne pas la moine déjà, hein. Elle est vraiment trop sympa. Non, mais elle est conne, elle écrase tout. C'est toi qui... Mais franchement, j'ai pas envie de travailler avec elle aujourd'hui, c'est bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bouge-toi, sors. Tu veux conduire ou quoi? C'est pas conduire, tu veux conduire? Bah, je me suis trompé de pédale, on a le droit, hein. Non mais même moi qui sais pas. Vérifier les Mercedes là-bas alors. Oh, t'as cassé la vitre. Ta gueule, m'énerve pas. Mais par contre, me parle pas comme ça, hein, ça va pas aller, hein. Les mauvaises ondes. Monsieur, vous avez important, moi, faut attention, hein. Mais qu'est-ce qu'il disait le capitaine, j'ai pas entendu. C'est quoi, capitaine, déjà? Oh, punaise. Ah mais attendez, j'ai la casquette que j'ai. Pourquoi tu l'arrêtes? Je l'ai prise dans le bureau du capitaine. Pourquoi tu l'arrêtes? Bah, elle est suspecte. Suspect. Mais on allez, est descendez. Pas. On est. Ah bah voilà, ils sont suspects. Suspects, ils sont en bleu. C'est ce que je disais. Bonjour monsieur mesdames. Hola hola. Bonjour. Oh là là, on peut avoir papier de véhicule et adresse du véhicule et adresse mobile. Je me fais faire contrôler par vos collègues là. Ah bon? Je te fais pas contrôler ici. Ok, bon allez, bonne journée. Au revoir. C'est joli Mirko, vous la vendez ou pas? Ah si, c'est tout. Vous la vendez ou pas? Ah oui, c'est vrai. Si, je la vends. Je sais pas, peut-être. Combien arrête de parler, t'as déjà fait n'importe quoi toi. Laisse-moi. Vous faites un contrôle de police et vous achetez le Mercedes, c'est bizarre. Pardon madame? Bon allez, on va contrôler. Il dit contrôler. Alors papier du véhicule s'il vous plaît. OK, je la vends, OK, je la vends. Non, et papier du véhicule du coup. Madame, je la vends, OK, je la vends. Et j'ai ma carte d'identité, pourquoi? Moi je sais pas moi qui conduis. OK, monsieur, carte d'identité. Je la vends, OK, je la vends. Non, mais je vais voir comme ma carte d'identité. Non, mais ouais, la carte d'identité, ça serait pas mal. Je n'ai pas. Ah, mais personne a sa carte d'identité dans cette ville. Hermano, j'ai ma carte, Le permis monsieur, alors le permis s'il vous plaît. Je l'ai pas sur moi. Ah! Ah, oh là bah, là, c'est monsieur qui conduisait, on est d'accord.
Oui, là c'est monsieur qui conduisait. Non, non. Là ça va être une petite amende. Personne conduisait, pilote automatique. Ah, pilote automatique. C'est Tesla ? Non, c'est les nouvelles Mercedes. Ça, oh, c'est juste une Alors. Je peux regarder l'intérieur ? Ah, ma carte d'identité. Si. Yes, oui, désolé. Oui, vous inquiétez pas. Pilote automatique. D'accord. Eh, mais je vois que la dame a le permis, mais pas le monsieur. Si, mais il a oublié à la maison aussi. Ah, pas ça. Ouais, c'est une bonne voiture, hein. Bon, ben. Ah, ouais, si. Ben, bonne journée. Oh, ben, on vous laisse. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous allez retirer l'argent? Non, on se promène, hein. Ah, ouais. Dans un parking? On se promène avec madame, je l'amène souvent dans le parking. J'adore les endroits sombres, j'adore ça. Ouais. Je la comprends. Ah, c'est ça. Vous aussi, vous aimez les dangers? La prochaine fois, je vous amènerai dans un endroit sombre. Lui, il a un côté sombre, un côté bien. Ah, vous aimez bien la Mercedes, si? Elle est belle, hein, Mercedes. Mais. C'est ça, elle est très belle. Ah, la couleur, pas trop. Hein. La couleur est belle. Ça se change, ça, c'est pas un problème. Hein. Bah, rouvre tes yeux, c'est quoi. J'ai plein de Mercedes. Ça va être compliqué d'ouvrir mes yeux. Vous êtes un. On a dizaine, comme ça. Je suis un Mercedesien. Non, on va un Mercedes. Comme les Martiens. Mercedesien, Martien. Ah ouais, Mercedes Flix, ça serait bien. Si, j'ai Mercedes Flix. Ah bon ? Quand Sarah est à ma jambe, on va prendre une Mercedes Flix. Si. Sarah avait dit c'est 63 Mercedes. Des pires flics. Bon, ben. Vous voulez Mercedes Flix ? Moi, pour voir mettre stickers, police. Stickers, ouais. En C63. Pas KMG avec les béquets et tout. Avec Chabot et tout. Il veut mettre ça alors. Ouais, quand parce que là, faut pas mettre tout de suite parce que là, sinon les super ils vont nous voler parce qu'on est que des cadets. Si vous voulez, tous les Mercedes, je l'ai. Ouais. Quel Mercedes vous voulez? Cadet, c'est qu'on est, on vient d'arriver dans la police. Ah, c'est nouveau. Ouais. Ça passe bien. C'est bon, elle a plein d'automatiques, les gars. Oui. Vous arrêtez beaucoup de comme par hasard, de monsieur, vous avez pas un ami qui est une Mercedes rose? Si. Vous avez dit quoi, madame? Ben... Vous arrêtez beaucoup de bandits? Oui, pour l'instant, ça se passe bien, mais là, on fait... Une rose, une noire et une bleue. Mm-hmm. Comment ça? Ben, c'est votre pote? Si, c'est des Aztecas. Ah ben, ils roulent n'importe comment, hein! C'est quoi, les Aztecas? Oui. Si, c'est la famille, il y a les Aztecas, si. Ah, c'est un gang? Non, pas de gang, non. Non, pas des gangs, la famille est solo. Mm-hmm. Bon, solamente la famille aussi. Bon, c'est nous on va faire un retour à 10-31, hein. Non, 10-20. C'est 10-19. Oh, oui, 10-19. Du coup, vous êtes des cadets, ça. Quoi? C'est les cadets. Des cadets, vous êtes. Ouais, c'est pour ça qu'on peut pas avoir une grosse voiture pour le moment. Après, là, quand on passera premier grade, on verra une Mercedes avec vous. Ouais, mais je crois qu'on va faire un 10-19, le capitaine va nous taper sur les doigts. Hein. Il avait pas dit un truc, là, tout à l'heure? Ouais, on va voir, mais en plus, c'est Cyclope, j'ai pas. Ouais, non, c'est pas moi. Mais je pense que parce que t'as pas ton gilet, si t'as ton gilet, non? Moi, il est sûrement mon gilet. Moi, je mets pas ce gilet, moi, je suis toujours comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Bah, je crois que c'est obligatoire, le gilet. Bah, vous montrer d'autres Mercedes. Comment? C'est plein de Mercedes, beaucoup. Tout à l'heure, vous avez terminé le cadet, vous posez les vêtements. Ah ouais, tout à l'heure, si vous voulez qu'on a fini notre service. Et on se donne rendez-vous à un endroit. Ok, en stage, je vous montre d'autres Mercedes. Prenez le numéro de cette folle. Oui. Madame va le prendre. Sinon, je vais avoir des bleus partout. Bah. Moi, c'est 95-55. Ah, DV, il va me sortir des Mercedes. Hein. Reçu. Je vous ai envoyé un message. Ah, oh, il est facile votre numéro. Si. Il m'appelle Adélia. Ah, comment? Adélia. Moi, c'est trop bien. C'est beau, Adélia. Moi, Iris. Waouh. L'autre, là. Comment vous dites? Si, il vous a appelé cadette. Ah, bah moi, je vous appelle. C'est beau, cadette aussi. Si. Cadette, c'est joli. Moi, cadet. Ouais, n'en profite pas, la vie. Vous, cadet. Ouais, c'est un beau prénom, cadette. Non, appelez-moi état-major. État-major. Capitaine. En plus, c'est sa casquette que j'ai. État-major. Non, pas état-major. 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 Pas Mayotte. Non, pas Mayotte. Non, c'est pas Mayotte. État-major. État-major. État-major.
Non, non, on n'est pas à Mayotte. Faites genre. État genre. Major. État major. État major. Major. Ah, voilà. My 14 major. Central, 19 Attends. Général, pour un seul dispatch. Major. Oh, mais ah, Major. Mais on va se faire gronder, hein, on va se faire gronder. Tout ça à quoi de cyclope. Bon, allez, on, à plus les états. C'est hasta luego, hasta luego. Hasta bueno. Hasta la amiga. Moins bien. Moins mille bien. Vécu 3 ans au Mexique, j'ai toujours pas compris. Allez, mais GPS, allez, toujours en oui, retard, oui. Iris. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah putain. Ah. C'est pas grave, demain. On fait une quoi ou quoi jusqu'à au PDP? Mais GPS, on fait quoi jusqu'à au PDP? Bon, on le fait ou? Mais tu fais quoi là? Pourquoi tu mets? Pourquoi tu fais quoi? Vous se prochez pas Mercedes, les gars! Oh putain! 10-31 par une Mercedes! Oh, y'a un recrutement et Sermi. J'ai gagné! Wow! Faut faire. Merde, code. Fallait dire radio! Ah! Putain, cyclope! Tango 10-19! Il manque. Au cas où, il manque le. C'est bien, vous avez fait le tango, mais vous avez oublié matricule. Ah. 08 tango 10-19. La tête de Yonore des Verts. Mayotte. État Mayotte. Ah là là. Faut un bon duo, hein. Sartek, hein, c'est un bon duo. Les Aztecas sont de retour, hein. Allez porter hommage au cas. C'est quand on est promu? Demain. Ferme la porte, Iris. Ah, pas maintenant. Ferme la porte, Iris. Oh, toujours la bonne à tout faire, hein. Incroyable. J'aimerais bien enlever ce gilet de merde. Ouais, c'est lourd, en vrai. Le gilet. Oh, c'est hyper lourd. C'est par là. Yes. Tu ranges la Mercedes de la police dans la mini F1 yes. Et l'équipe pour lui sur Okimiko. Non, mais on passera en grade, on prendra une belle voiture. Ouais, je le savais. Hein. Ouais, je savais. C'est là. Ouais, je le savais. Il y a marqué un meeting. Ouais. Très bien. Voilà. Désolé du retard. Au garde à vous. 10-4. Salutez la crime. Pourquoi c'était écrit 4? Repos. J'espère que vous allez tous bien. Bon. On va jouer un petit jeu. Dans cette salle, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui me déplaît actuellement. À votre avis, c'est qui? Regardez-vous tous. Vous voyez pas? 14? Ah, oui. Passez-moi cette casquette immédiatement. 14? Attendez, j'en ai la tête. Mais qu'est-ce qu'une Gucci? Qu'est-ce que Gucci, hein? Hein? Il me semble que le lieutenant vous a averti combien de fois? En soi, dans le règlement, c'est pas marqué qu'on n'a pas le droit aux casquettes, hein? Non, pourtant, on vous a prévenu que seules les casquettes et les speedy ou sans motif sont pourquoi, autorisées. Mais pourquoi sans motif, j'ai pas intérêt à croire que c'est un gang, à croire que je marque Nick la police ou comme ça? Juste une question, elle vous a coûté combien? Salut! 1000 balles. Angie. On sait rien. Vous aurez ça dans votre prochain paiement. Quelqu'un a un briquet? Non. Je regarde dans mes poches. Non. Ah, malheureusement, j'en ai pas. Je te cherche un chat. Oh non, ma casquette, oh non. Non, rien à foutre, chat, c'est bon. Attends. Bon, après, c'est du Gucci. Oulala, ça passe sur un 10-31 là. Non, c'est un 10-30. 10-30, ouais. Oh, c'est bon, et puis quoi, tantique, crame ma mère. 10-01, soldat raté. Bon, il restera avec moi.
Restez là le temps que je finisse, ok? Si j'avais chaud. Yo, Extrême, yo, ça va ou quoi? Oh, regardez, vous avez fait tomber mes lunettes et ma casquette. Oh là là. Finalement, je vais pas fracasser votre tête contre les chiottes. Je vais la fracasser contre autre chose. Oui, mais on a juste un agent de le tuer. Comment il s'appelle, lui? Et là, personne ne va rien faire, non? Exactement, personne. Du coup, t'as qui sont les agents qui ont passé leur visite médicale pour le PPA hier? Il me semble que 08, vous l'avez fait. J'ai réussi. Il y avait 34, mais il semble absent. 30, vous l'avez passé ou pas? Non, je l'ai pas passé. Ok. Donc, 30, allez prendre un rendez-vous. Ok. D'accord. Qu'un collègue vous accompagne. Après, dans 10 minutes, ceux qui l'ont déjà passé, vous revenez au commissariat. Du coup, je vais vous faire passer votre permis de port d'armes. Ok? Bah, à la rigueur, si je peux aller avec 30, le passer aussi, parce que je l'ai pas. Vous avez de pas même. Aussi la visite? Non, je l'ai pas. J'ai la visite médicale simple. La même, la okay. même. Bon, bah, partez en X-ray, ce sera plus simple. Ok. 10-4. Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions sur des procédures, sur des choses où vous avez des problèmes ou autres? William. 10-5. Je pense pas, puisque j'ai repris une radio. Très bien, bah, tout est parfait. Du coup, dans 10 minutes, n'oubliez pas ceux qui ont... vous savez quoi, je vais même vous laisser un peu de temps. Allez, 30 minutes, ok? Dans 30 minutes, ceux qui ont la visite médicale, revenez au commissariat, faites-moi du coup un call radio et je viendrai vous faire passer vos permis de port d'armes. Du coup, vous pouvez partir. Pas vous. J'aimerais pas rester ici. Hein. Votre père vous l'a offert. Je la prends in the poop. Hein. Là, je pense que ça va être sévère. Ah oh, ben là... C'est le bon c'est quand même après il a tapé le capitaine quand même. Hein. Vous savez c'est quoi le pire? C'est quoi le nom du capitaine? Capitaine c'est 21. Enfin je sais pas si quoi son nom mais c'est 21. Alors là. Aucune idée. Si je le trouve dans la vraie vie lui tu vois. Le pire c'est que en plus j'ai commencé le service avec ma casquette et en plus une casquette LSPD me l'a enlevé. Alors que j'étais tout mais à fait que... hein. Oh ça va frérot. Laisse-moi tranquille. Gaffe ça glisse, la fin de ménage est déjà passée. Ouais, mais je crois que c'est parce que... Ah, c'est le karma, ça, hein. Je crois que c'est parce qu'il avait sa... Ah, va te faire... Non, c'est 90. Non, c'est pas 90, son nom. Aiden. Hein, c'est lui. C'est lui. Tu l'as déjà fait quoi? Oui, ben moi, je vais les accompagner. C'est un X-ray, c'est ça? Attends, laisse-moi faire le call radio. Non, j'ai envie de faire. Vas-y, dis. C'est un X-ray? Non, laisse-le faire le call radio, Eric. Tu sais pas faire. Arrête d'énerver. Mais les si, gens. Je sais faire. Vas-y, fais le KD. Comment tu sais quoi ton nom, toi? 69, Gustavo, moi. Allez, vas-y, 69, fais-le. X-ray 69, 1076, direction MS. Voilà, c'est prends pas 69, c'est 08, non? Mais non, parce qu'on est tous même grade. Ouais. Ah, mais bah pourquoi l'autre 14 il a dit que c'était parce que c'était 08 qui conduisait? Mais parce que il savait que c'est moi qui conduisais. Oui, mais il a dit qu'il fallait que je dise 08 et moi je voulais... j'ai dit 30 parce que j'étais dans la voiture. Mais on a le droit d'être que des cadets. Mais en fait, par contre, je crois. Ouais, on a le droit d'être que des cadets. Juste. En fait, tu dois donner le matricule du plus haut gradé de la voiture. Ouais, je sais, mais. Et 14 avait. Genre, j'avais dit, je crois. Adam 30 et ouais. Le gars 14, il est c'est enfin, pas 14... une bonne référence, tu vois pas, il se fait okay, frapper. Ok. Ça casse qu'il Gucci là. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Van Amon ou quoi? Oh, il y a beaucoup de voitures. Oh, ouais, comment sont le garées temps, les voitures les gars. J'espère ah ouais. qu'il y a deux mecs au moins, ça va faire pile. Ah ouais, regarde, et du coup, il a pas parlé pour le gilet pare-balles, c'est qui a fait le gilet pare-balles? C'est vrai que je sais pas, hein, moi j'ai Pas, j'ai pas compte. Et voilà, t'es, elle est blonde celle-là. Ah, mais j'ai fait trop pressé, hein. Chut, incroyable, pourquoi Gary veut se casser, frère? Ah bah,
Bonjour madame. Bonjour. 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 Bonjour monsieur. Oui, bonjour, c'est pour passer la visite médicale, pour le PPA. C'est ça. Ouais. Vous êtes combien? Deux. Non, trois. Trois, pardon. Alors donnez-moi vos matricules. Alors 69, moi c'est 30 et 33. Et 33. Ouais. Et de service 78. Vous parlez doucement, madame. Ouais. Qui sont les deux qui s'appellent 69 et 33? Cap à cap de mettre le 4x4 en chrome. Après. Mm-hmm. Et moi, je suis sur votre gauche, 69. Les matricules sont plus prises, ils peuvent. Moi, c'est 30. Ouais, enfin, les... Je suis au courant, mais apparemment, ils n'ont pas bloqué les matricules. Et du coup, en rentrant, ils veulent plus changer parce que c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien faire. Mettre du suspension. Mettre du blindage. Mettre un turbo. Mais il y a déjà. Ouais, mais c'est plus les conditions dans lesquelles. Ah ouais, ça teinte et tout. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, on va pas oublier cette mauvaise période. On peut pas mettre des roues. Oui, non mais justement. Ah, y'avait un autre emploi. Ah, un autre, c'est pas. 0-1, on va mettre 0-1 nous. Voilà, il est beau mon véhicule là. Soumet à couleur. Couleur mat. Ça a changé toute la couleur, vous pensez ou pas? Non, ça change pas. Tu! Ultra, ça passe pas là. Faut mettre ça, ouais. Pas trop faire remarquer au début. Vous êtes à l'hôpital, c'est Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez rabattu monsieur l'agent. Bonsoir, pourquoi vous ramassez les gens sur le trottoir? En fait, je pensais qu'il voulait que je dépose au commissariat, c'est pour ça. Quoi? Ouais, ouais, il m'a dit qu'il voulait aller au commissariat, c'est pour ça que je l'ai écrit sur le capot. Ah, ok, y'a pas de problème, poto, pas de problème. Oui, désolé. Vous avez passé une bonne journée, messieurs les agents? Ça passe, ouais, la routine. Vous avez pas trop froid? Comment ça, j'ai pas trop froid? Bonne aération, je trouve, non? Ah oui, là, vous avez le vent à la lotte, frère. Ouais. Moi, je vois que l'arrière et... ouais. Il a ramené toutes les couleurs. Elle a toutes les couleurs. Ma portière. Il y a un parking, sinon, pour se garer. Bah j'ai envie de me garer ici. Bon vas-y, je vais aller faire réparer ma voiture pour cette journée les mecs. Bonne journée. Ouais. Bah je travaille ici. Adam 14, 10, 41, secteur 1 et 2. Oui, y'a trop de meufs pour moi là, y'a trop de meufs. Je viens fou. Bien sûr, Marlène Dubois. Désolé pour la portière. Est-ce qu'on a une Marlène Dubois qui travaille? Excusez-moi pour la portière, si. Qu'est-ce qui se passe avec cette portière? On a les épaules, madame. Oui, on y va. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Non, non, c'est elle. Elle a dit qu'elle a travaillé ici. Chirurgie anesthétique. Vous avez dit quoi? On a dit bonjour. Hein? Madame, vous allez à l'hôpital? C'est pourquoi? Je peux vous aider, hein? Je peux aider. Je fais les secouristes aussi. Comme là, ils sont occupés. Ils sont pas assez papa H. Ils vont passer au papa H. Passer notre visite médicale. Oui. Ah ben, on n'a pas besoin de garçon. Ah ok. Ah. Quoi? Quoi? T'as quoi? Oh, regarde son œil. Bah c'est Cyclope. J'en ai plus. Cyclope. Bah oui, voilà, il a, regarde qui l'a pas. Ah. Bah
Ah oui. Ne jugez pas mon collègue, il est déjà maltraité. Vous voulez que j'ouvre l'œil pour voir? Ah non. Purée, vous vos joues. Oui. C'est ça, être. C'est ça, être dans la police, on perce des trucs. Non, mais ça c'est pas de te moquer des gens comme ça. Mais je me moque pas, juste regarde ces jeux. Non, ça me rappelle quelqu'un. Ah bon? Ah non, arrêtez. Ça te rappelle qui? Je suis plus beau, arrêtez. Bah. Ah non, il est beaucoup plus beau. Qui? Bonjour. Mais vous parlez de qui? Bonjour. T'inquiète. Bonjour mademoiselle. Qui est passé aujourd'hui? Ah, bonjour. C'est Vous travaillez ici? Là, c'est moi qui dois passer, mais là. Mais oui, mais l'infirmière, enfin la docteure, elle est en train de parler là. Ah, ce serait mais t'as toujours pas fait passer là depuis tout à l'heure? Que vous travaillez ici. Oh là là. Passez tous en même temps, ce sera plus facile, hein, passez tous en même temps. Non, mais elle veut pas le faire passer. C'est pas moi. Ouais, elle veut pas le faire passer. Mais je peux passer quelqu'un. Du coup, vous pouvez. Vas-y, fais pas alors. T'as des diplômes, toi ? Ça va pour toi, mais non, c'est bon, c'est facile, j'ai rien fait. Je pense que sur la vue, j'ai combien ? Je peux pas avoir 10 sur 10, moi. Vous êtes venu avec ? Mais. Ah ouais. Tabasse ça, le véhicule. Un chat, un chat. Oui, c'est ça. Capitaine. Là, j'étais en train de passer, mais. Vous pouvez vérifier à qui appartient ce véhicule, s'il vous plaît ? Le véhicule blanc. Lequel ? Le blanc. Le blanc. Le blanc ? Il n'y a pas de véhicule blanc, là. Tu m'as dans la merde, hein. Le gris, là, c'est ça ? Oh, oui, c'est gris, ça, c'est pas bon. Que l'un des cadets vérifie. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Non, mais il est bien garé, il gêne personne. Laisse-moi, je vais vérifier. Le scasson mur ici, il est réservé aux personnes. Alors, la plaque, c'est ADAFCKY. Le propriétaire est inconnu. Ah. Mais bah, faut l'appeler, hein. Mais il est pas à voler, le véhicule. Ça peut être un véhicule d'entreprise, non? Faut mettre une annonce pour... Attendez. Oui, c'est attendez. Le véhicule des... Attendez, des... je vais vérifier quelque chose. Du Fantastic Club. Non, c'est pas un véhicule d'entreprise, c'est un véhicule de location. C'est bon. Ah bah voilà. Haha, la casse ou la Iris, hein. Bravo Iris. T'as dit quoi? Mais c'est pas le mien, c'est pas toi. Anna, je vais te dire, on rentre à la maison, je te déglague. Oh. Ah. Ah. Monsieur l'infirmier, du coup, on peut passer nos tests? Oui, on était en train de passer avec l'infirmier ici, il y a que des médecins. Pardon. Tant pour moi. Oula. Et vous, faut que je parle des matricules, ça va voir. Des matricules? Qui est? C'est-à-dire des matricules. Mais madame, on doit passer là. Bah d'accord, on vous suit s'il vous plaît. Bah oui, mais. Oh là là. T'as vraiment craqué ton slip? Non, mais attends, elle a l'air grave vénère par contre, parce que je voulais passer la liste médicale. Tu vas passer du coup? Bah oui, faut qu'on la passe. Bah ouais, mais. Qu'est-ce que. Cadet, est-ce que vous pourriez repartir? 08, je te dérange? Ah, vous êtes là, j'avais pas vu, désolé. Ouais, il est là-bas. Bah j'attends. Ils m'ont cramé. Mais ils sont pas. Bah, elle a dit justement. Il y a des tests de vue ou pas? Pour ouais, il y a des tests de vue, t'es mort. Oh shit. En plus, il dit qu'on peut pas mettre les véhicules de. Mais lui, il s'est garé là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas. Putain, mais c'est eux qui m'ont renversé là. Pourquoi tu nous prends en photo là? Non, c'est pour mettre dans mon album, toi. Pourquoi parce tu nous prends en photo? Des sapins. À chaque fois quand quelqu'un est sur des sapins, c'est trop beau. Ah bon? T'as cru on était des guerriers? Ah, vraiment tout. Non, des boules. Ah, très drôle. Waouh, wow, quel humour. C'est méchant. Très gros, Ramano. C'est bon, vu que c'est pas pour rien. Hein. Moi je voulais. Déjà je vous ai couvri là, ils étaient là-bas, ils disaient oh c'est une Mercedes bleue. Toi t'es vraiment une guirlande avec tes cheveux là. Non mais déjà. Toi, c'est vous la guirlande que t'as sur la écoutez, tête. Écoutez, je vous ai nous couvrir, ils viennent dire ouais c'est là-bas, c'est la voiture qu'on a poursuivie. Et là j'ai dit bah non, c'est notre ça. Alors remerciez-moi. C'est parce que après toi on a eu de la police qui nous a contrôlé encore. Hein. Ah ouais, bah oui, je les ai envoyés pour vous. J'ai dit 10-30 pour vous, 10-31 pour vous. Ah, si, très gentil. Mais non, je rigole, gentil, comme si j'allais faire ça. Mais c'est pas un. Merci, Peck, pour tes 100 bits. Mais comme si je vais faire ça, j'ai une tête à faire ça, franchement. Mais je sais pas. Hein. Toi, la tête d'un policier. Bah oui. La tête pas le mien, café crème. Merci, Peck, pour tes 100 bits. Ah, moi, je veux bien, hein, café crème. Mais on prend pas son café crème, il prend trop de sucre, tu deviens d'habitude. Mais moi, je veux bien un café. Mets-moi 3 cafés pour mes futurs amis. Mets-nous des cafés crème aussi. C'est des cafés crème aussi. 3 cafés crème. C'est futurs amis, ok. C'est grâce à ça. Futurs vendeurs.
Ils vont voir une Mercedes. Ah ouais? Il va me préparer une Mercedes. Sérieux? C'est quoi vos prénoms? Ça fera combien? Eh, hey, cuis-moi de tes oignons, toi. Oh là là. Bah, moi aussi, je vais en commander. Mais je pas mange, tout à l'heure. Paye-moi déjà mes vannes. Tu as déjà oublié mon prénom. Bah, je te les donne si tu veux maintenant. Bah, non, c'est bon, tu peux le garder, mais non, tout à l'heure que je t'ai demandé, là. Bah, c'est il bon. Faut savoir, hein. Bah, donne, allez. Vas-y, je donne. Mais t'arrêtes de faire ton donne, en colère comme ça. Bah, donne, t'arrêtes de faire ton colère comme ça. Et t'arrêtes de faire ton colère comme ça. J'ai une Brabus, moi. Une Brabus, c'est 63. Avec des autocollants. Police. Quoi, dans 8 semaines, comme ça. Café crème. Discrète, bonsoir. As-tu ton. Ta vis médicale 34? Affirmatif. Bobby, il arrive. Non, mais c'est pour le BP1. Hein. Oui, je l'ai. Bobby. Ok. Bobby, il est arrivé. Vous n'avez pas vu, on l'entend pas. Vous êtes pas sur la radio? Si, si. Mais bon, on comprend rien quand il parle sur la radio, mais bon. Comme le gars avec nous, là. Venez, là. Tiens, t'as mon chèque? Quel chèque? Je t'ai pas donné de chèque, je t'ai donné une espèce, moi. Moi, bah oui, mais je l'ai mis en chèque, tu le reprendras là. On va faire un 19, tu l'as mis avec nous. Ok, toi, c'est bon. Prends ton chèque, c'est bon. Quoi? Mais t'es sérieux? Hop. Quoi? Mais tu sais, il y a combien Adam, de sommes là-dessus? 14, t'as pas de compte, 19... T'es bête, mais au moins, je pouvais me payer un truc, t'es bête ou quoi? Eh, vous avez les papiers, vous? Quoi? Les papiers de quoi? Vous avez les papiers. On n'a pas de PMI, on n'a rien, nous, frère, t'as cru quoi? Attends, c'est bizarre, je viens de voir ton œil fermé ouvrir. Hein? Non. Oula, t'es un faux cyclope? Non. Allez-y. Y'a un petit problème, monsieur? Madame? Bah, là, on bouge. Mais y'a quelqu'un dans mon cul? Oui, monsieur. Ah oui, merci, c'est gentil. Madame, le klaxon, c'est un cas de danger. Faut pas qu'on écrase les gens, qu'on leur dit de... Mais ils klaxonnent parce que j'allais les écraser. Pour qu'on puisse partir. C'est bon, cadet. Ben non, c'est pour prévenir un danger. C'est bon, madame, vous pouvez circuler avant que votre ami vous rentre. Merci. Cyclore, ouvre ton deuxième œil, même si t'as pas. Oui, mais je l'ai pas vu. Bon, capitaine, on fait quoi là? Y'a PPH ou pas là? Oui, toi, 08, tu veux venir avec moi? Vous ne l'avez toujours pas, c'est ça? La non, visite. Toujours pas. Du coup, attendez avec les autres. D'accord. On va juste aller chercher un collègue pour être 3 et on va. Prenez celle-là, il est mieux. Il est plus neuf. On va chercher Bobby. Exactement. Annoncer un 10-19. Un quoi? 10-19, retour au commissariat. 08-10-19, retour au commissariat. Et je vous Scott, quand tu fais un 19, pas besoin de dire retour au commissariat, tu dis juste à dire 19. De 1 et de 2, c'est qu'on est en Adam. De 99 à 34. Revenez au commissariat, vous aussi. Je suis au commissariat. Il est au PDP, hein. Parfait. Il va venir avec nous pour le PBA. Piscate, je vous l'emmène. On est devant 34. Parfait. Allez, montez. J'ai un problème, capitaine. Lequel? Quand je vais voir Georges pour prendre un taser, par exemple. Il me donne un calibre genre normal. D'accord, très bien. Et c'est pas Georges, c'est Barry. Ah, c'est d'ailleurs, c'est, il faut c'est que je m'occupe de lui. Je pensais que c'était Georges. Bah non. Je lui ai extrait quand même. Respectez-le, il a quand même 30 ans de métier. Et bah alors, Bobby, on respecte pas Georges? Ah, bah si, tout à fait, je respecte, mais. Ouais. Je vais me garer là, je vais me garer juste devant. Allez, venez. Bon, qui le passe en premier et qui le passe en deuxième? Choisissez. Peu importe. Moi, je le passe en premier. Très bien. Bobby, tu veux me donner un truc à boire, s'il te plaît? Je passe en premier, comme ça tu regardes. Après, tu peux pas tomber dans le même piège. Oui, je suis un bon marmaille, merci. Très
Très bien, bon. 34, je vous invite à patienter avec Robert là-bas. Là. Oui. Fais-tu la conversation, le pauvre, il a pas beaucoup de visites. Y'a pas de souci, je vais aller lui parler. Du coup, je vous invite à vous asseoir. Très bien, bon. Avant de commencer, j'aimerais que vous me fassiez extrêmement un petit historique de votre relation avec les armes. Est-ce que vous en avez déjà tenu une? Vous en avez déjà vu une? Vous savez comment ça marche ou pas? Ouais, j'ai déjà vu, mais jamais tenu, tiré, à part avec le taser. Très bien. Une arme à feu, non. Mais je connais un peu la mécanique, il y a une sécurité, il y a une gâchette. Non, voilà. Très bien, bon. Je vais vous dire quelques règles essentielles lorsqu'on utilise une arme à feu. Fin de 18, bout de 51. Mettez-vous en off radio pour pas que la radio vous dérange. 99 off radio. 08 off radio. Et bon. Donc, en tout cas, en Californie, il y a 4 règles que vous devez connaître et respecter avec une arme à feu. D'accord ? La première règle est qu'une arme doit toujours être chargée. D'accord ? Ok. La deuxième, c'est qu'elle ne doit jamais être pointée vers quelque chose que vous ne voulez pas détruire. D'accord ? Ok. La troisième, c'est que l'index doit rester hors de la détente tant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous visez. Ok. Et la quatrième, c'est être sûr de sa cible, mais également de son environnement, ce qui vous entoure. D'accord ? Ok. Donc, ces quatre règles, si vous avez une question sur l'une de ces quatre règles, posez-la moi tout de suite, parce que après je vous poserai des questions. Non, pas vraiment. Très bien. Ensuite, autre chose à savoir, le c'est vital. Ok ? C'est du coup pour certitude, la certitude c'est-à-dire l'identification, la prise de décision, la détection du danger, d'accord ? Vous devez être certain de ce que vous faites. Ensuite, E pourquoi à votre avis ? Aucune idée. Vous savez quoi ? Je vais vous faire le mouvement et vous allez me le dire. Ok ? Ok. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait ? Pointé. E, pensez à E. E. Élévation. Élévation. Donc, tout d'abord, certitude, ça veut dire vous identifiez le danger. E, vous élevez votre arme. Ensuite, vous l'avez dit, qu'est-ce que vous faites après ? Pour pointer. Viser. Viser, exactement. Ensuite, la règle, qu'est-ce qu'elle dit ? Viser quand vous êtes sûr de votre cible. Non, la troisième à propos de l'index. Rester à l'endroit du gâchette. Donc une fois la visée faite et que vous êtes sûr, vous avez I pour index. Ok, vous mettez votre index et ensuite, après qu'on met un index, enfin l'index, on fait quoi ? On presse la détente, donc tirer. Okay. Pour le T. Et ensuite, tirer. On analyse et on effectue une liaison. Une liaison. Donc A, c'est analyse, donc vous analysez l'état de la cible et les liaisons, c'est ce que vous allez faire après l'analyse. C'est-à-dire, par exemple, une fois que vous avez vu que la personne est complètement neutralisée, vous n'allez pas lui retirer dessus je sais pas combien de balles, d'accord ? Okay. Là, vous décidez de ranger votre arme, d'appeler des EMS ou autre, d'accord ? Ok. Voilà. Vous avez une question du coup ? Non. Ok, et donc pour retenir tout ça, c'est le c'est vital tout simplement, d'accord ? C'est vital, ok. C'est vital. C'est vital. Attendez, je vais juste aller voir. Ouais, je me disais bien que quelqu'un gloussait. Donc reward, ouais effectivement, ok, reward your Monsieur, weapon, ok, ouais c'est bien. Je peux ouais. vous aider ? Bonjour. Le c'est vital. Non, je lisais le panneau juste ici, il y avait écrit... Oui, sinon j'ai une question, monsieur. C'est 99, c'est ça ? C'est votre collègue. Oui, ah, vous avez raison, c'est 99. Vous êtes qui exactement ?
Un capitaine, pourquoi? Ah, vous êtes un capitaine? Ouais, c'était où parler par rapport à un cadet? Vous voyez que je suis un peu occupé là. Ouais, bon, je passerai au PDP après. Donc, ouais, plus tard. Bon, j'espère que ça va être un bon cadet, pas comme l'autre. Le respect se perd de nos jours. Du coup, je vais passer aux questions. Vous êtes prêts? Affirmatif. Très bien. Ai-je le droit de porter mon arme sur moi si je suis sous l'emprise de l'alcool? Non. Ok. Mais développé. Pourquoi? Qu'est-ce qui est dangereux? C'est l'alcool qui est dangereux. On n'est pas conscient de ce qu'on fait. Parfaitement. On n'est pas en pleine possession de ses moyens. Parfait pour celle-là. Si une personne vous menace, est-ce légitime de sortir son arme et de la battre immédiatement? Pas la battre, mais... non. Très bien, pour plus de détails à cette question, c'est non, à part dans le cas où votre vie est menacée, mais de façon très importante. Et dans le cas où vous sortez votre arme, vous faites des sommations orales, à tout prix, d'accord? Ok. Minimum une. Ok. Ensuite, ai-je le droit d'utiliser mon arme pour abattre un animal sauvage? Non. Ça passe si l'animal présente un danger. Parfait, parfait. Uniquement si l'animal menace votre vie ou celle d'une autre personne. Ok. Le permis de port d'arme vous permet le port de quelle arme ainsi que l'achat de quelle arme? Le 9 mm. 9 mm et taser. Et taser. Épétoire, mais généralement, tous ceux qui ont le permis de port d'arme préfèrent directement le 9 mm. Et les mitraillettes, non? Non, ça c'est des catégories 3. Ah, ok. Du coup, ai-je le droit de poser mon arme dans le coffre d'un ami? Non. Alors, seul si vous perdez pas vraiment de points, c'est plus à titre informatif. Mais vous pouvez. Attendez, on m'appelle. J'écoute. GG, merci les gars. J'ai. Il y a un mec. La sœur vitale effectue une liaison. 3 hordes. Vous voyez laquelle? 3 hordes détente, 4 sur le. Celle à côté du concessionnaire. Mais merci quand même. Je vous attends. Ok. Bref, je regarde la rue, je vais vas-y, bonne nuit à toi. De même. Du coup, on en était où? Oui. Donc, vous avez le droit de déposer une arme dans le coffre d'un ami, seulement si celui-ci est détenteur du permis de port d'arme. Ah, autre chose à savoir, si l'arme est dans son coffre, il en est l'unique responsable. D'accord? D'accord. Donc s'il a pas le PPA, et qu'il nous dit oui, c'est celle de mon ami qui a le PPA, on s'en fout, c'est lui qui sera amendé. D'accord? Ok. Du coup, vous avez votre arme en main, un homme vous agresse avec un couteau, vous faites des sommations ou vous lui tirez dessus? Des sommations. Parfait. Et attention, celle-ci est éliminatoire et je veux que vous détailliez bien. Ai-je le droit de braquer quelqu'un avec mon arme pour le dissuader de m'agresser? Pour le quoi? Le dissuader. Ça veut dire quoi, dissuader? Comment je pourrais vous l'expliquer? Ça veut dire lui faire comprendre que c'est une mauvaise idée. Genre, si la personne est pas armée en face? Non, la personne est agressive et est prête, enfin vous croyez qu'elle va vous agresser? Non. Non. Parce que la première arme de la SPD, c'est la parole. Très bien, et dans le cas où vous êtes obligé, qu'est-ce que vous faites avant? Ben, si je suis obligé, ben je fais des assommations comme vous avez dit. Très bien. Montrez-moi comment vous faites des sommations. Je fais comme ça, je vise en haut. Très bien. Donc, il y a deux types de sommations. Les sommations où vous tirez à côté,
si vous êtes trop loin de l'individu, et les sommations orales. Les sommations orales, c'est tout simple, il faut que vous preniez votre arme, vous visiez, vous lui dites « Monsieur, déposez votre arme, monsieur, vous approchez pas de moi », vous voyez? Ah, okay. Et à chaque fois, vous rajoutez « Sinon, je vais tirer, sinon, je vais tirer ». D'accord. Voilà. Du coup, on va passer à l'exercice pratique. Vous êtes prêts? Oui. C'est ce qui va rater. Du coup, je vais vous passer une arme. Faites attention. Voilà pour vous. Allez-y, regardez-la. Attention, ne visez pas avec, mais regardez-la. Ok. Tout est bon pour vous? Ouais, attends, j'ai mon casquette qui me gêne, je vois rien. Enlevez-la alors. C'est quoi? C'est ça? Ah. Ah, c'est bon, là, c'est bon. Parfait. Approchez-vous de la zone de tir. Voilà. Bon, on va commencer tout doucement. Je vous invite juste à vider un chargeur au fond de la salle. Allez-y. Okay. Facilement, je joue là, frérot. Ok, rechargé. Parfait. D'accord, maintenant ça va commencer les véritables exercices. Vous tirez une fois et à chaque tir, vous rechargez. Trois fois de suite. Trois fois de suite? Oui. Je me suis cliqué là. Bon bah allez-y. Deux. Ok. Maintenant vous allez viser le 5 droite, le 10 droite, le 15 droit, le 20 gauche et le 25 droit. Quoi? Attends. Les trucs rouges là? Oui, sur les côtés, vous les voyez? Oui. Je vais vous la refaire. Vous êtes prêts? Oui. Le 5 droit, le 10 droit, le 15 droit, le 20 gauche et le 25 droit. Ok. Go. Voilà. Parfait. Maintenant, du coup, refaites-moi le cervital en détaillant les lettres. Le cervital. Oui. Alors, déjà, je prends l'arme. Mmh. Je mets pas mon doigt à côté du gâchette, en dehors de la. Attends, on va faire simple. Je vais vous dire la lettre et vous allez m'effectuer le mouvement qui correspond. Ça okay. Vous va? Ok. Du coup, rangez votre arme déjà. Vous êtes prêt? Oui. Du coup, c'est. Le cervital. Certitude. Certitude, oui. Ok. Ouais, ça. Élévation. Allez-y, faites le mouvement. V. Visé. I. C'est la DES. Parfait. T. Tirer. Allez-y. A. A. Abattre. Non, analyse. Analyse. Et L. Liaison. Parfait, ok, vous avez juste une faute du coup. Si, PMX il a écrit à l'envers, frère. Il est concentré parce que là ça va se corser un peu. Ok. 10, gauche. Gauche. 5, droit. 25, gauche. Ok, je vais aller de plus en plus vite. 25 gauche, 5 droit, 10 droit, 15 gauche. 25 droit, 10, 20 gauche, 10 droit, je... Très bien. J'ai tiré un fantôme. Vous voyez les plaques là? Si. Au pire, éloignez-vous un peu, je vais vous les montrer. C'est au hasard. Là, la plaque en face là. La plaque ça marron fait 1. Non, l'espèce de dodane. Ah, ok. Oui. Ça fait 1 de, le plus proche, derrière 2. Et celui là-bas, ça fait 3, ok. Le dernier, c'est tout à droite là, non? À gauche.
À gauche le dernier. Ok. Ouais. Donc vous me visez 2, 1, 3, 1. 2. Vous pouvez répéter ? Bon. 2, 3, 1, 3. 2, 3, 1, 1. Ok. Ensuite, le dernier exercice. Vous êtes prêts ? Oui. Il va y avoir beaucoup de choses à retenir. Ok. Je peux prendre mon temps ou je peux... Vous savez quoi ? Après que j'ai énoncé tout, vous avez 10 secondes avant de commencer, ok ? Ok. Donc concentrez-vous bien. Vous visez donc le 2 en premier, puis ensuite vous allez sur le 15 droite. Ensuite, vous visez le 3, vous allez sur le 25 gauche. Mais il abuse, frère. Vous visez le 5 droite, vous terminez avec le 1 suivi du 2. Mais il abuse. C'est le dernier exercice, du coup prenez votre temps. 2, 15 droite, secondes. 2, 15 droite. Okay. 3. Voilà. Oh, c'est tout. Yes. Voilà. J'ai gagné. Mais la buse, frère. Il abuse, frère. Zou, je retiens ça, frère. Encore, tu me dis une... des cibles, on voit, frère. Là, on voit pas. Il y a trop de cibles, frère. Cache-toi, Iris, là. Ouais, je te bute, bon. Là. T'es tu sérieux, fais quoi, là écoute. Tu fais quoi, là mais je vais passer le test. J'ai eu tu vas papier. Perdre. Je parie que tu vas perdre, frère. Mais arrête, t'es hyper méchant, je suis désolé, je t'ai rendu tes 20 000. Trop de questions, tu vas perdre. Là, vas-y, dis-moi les réponses. Moi, je te dis les réponses, je t'ai déjà dit une fois, je te dirai plus. Mais t'es sérieux, allez, t'es mon frère, je t'aiderai toujours. Non. Mais allez, frérot. Retiens juste. Direct, quand tu vois quelqu'un, faut tirer. Faut pas attendre le dernier moment avant qu'il y ait un agent qui est mort. Tu vois, même sur le gars, même si la personne qui a juste... qui est juste agressive, pas d'information, tiré direct. Okay, va te faire foutre, prends-moi pour une conne, c'est bon. Ok, allez. Arrête ta bouche, en plus j'ai cru que tu me donnais une vraie réponse, t'es hyper méchant. Mais, oh. Je t'ai dit la vraie réponse que tu dis. Ok. Quand quelqu'un mais est arrête, en couteau. T'es hyper méchant. Quelqu'un en couteau, ok. Il faut avoir un couteau. Qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi tu passes ton permis d'arme alors? Va passer ton permis couteau. Bah non, mais t'es bête ou réfléchis quoi? Réfléchis un peu, c'est minable ça, les gens qui réfléchissent pas. Mais c'est vrai, quand t'as un couteau, faut avoir un couteau. Quand t'as un pistolet, il faut... Faut pas me laisser un moi. Oh là là. Il est où l'autre, là? Ah, attends, quoi là? Attends, il revient. Il a eu mal de tête. Pas de attends, il est où le capitaine? Il passe pas avec toi? Mais il a eu mal de tête. Ah, okay. J'étais trop rapide pour les... Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ah, il a mal de tête! Je suis prêt de les prendre. Voilà. Mais allez, dis-moi les réponses, frérot. Je t'ai donné tes 20 000, je suis désolé, c'est bon. Mais non, il y a intérêt, donne-moi 5 000 en plus. Ok, mais t'arrêtes d'être en colère alors. Ok. Et tu me dis les réponses, s'il te plaît. Ok, agent. Ah, oh, merci. Tu sais, t'as des beaux yeux. Ben, merci, frérot. Tiens. Tes lèvres sont pépillantes. Ok. Pourquoi tu me complimentes comme ça maintenant? Ah, tu fais quoi là? Je rigole. Mais t'as pas un bisou où là? Mais t'es un taré. Oh putain. Non mais je te pardonne plus, c'est bon. Non, je suis désolée, mais tu m'as fait un bisou où là? Je vais dire au colonel. Non mais allez, on fait la paix s'il te plaît. Non vas-y, va-t'en, ne parle plus. Non mais s'il te plaît. Ne parle plus, je te connais pas, je ferme la allez, porte. Allez, c'est quoi les réponses? Ta gueule, il est bien toi frère, t'es con quoi. Quoi? Tu veux les réponses? Bah oui, arrête de me demander les réponses. Incroyable, ça va monsieur, capitaine? Ouais, on va dire que vous avez tiré tellement vite que j'ai eu mal à la tête. J'étais impressionné, j'avoue, j'étais impressionné par moi-même.
Bon bah tout est parfait du coup. C'est bon, c'est fait. Rendez-moi mon arme du coup. Voilà. Parfait. Merci. Bon. Venez, on va aller au commissariat, je vais vous remettre votre papier. Et les autres, je leur ferai passer juste après. Non, je peux attendre ma soeur si vous voulez. Je l'attends ici. Vous voulez l'attendre ? Ouais, je l'attends. Comment vous finissez bien, vie ? Je dois juste passer un appel et je reviens. Ok. Même pas deux minutes. Ok. J'espère qu'il n'a pas entendu. Les gars. Oui. Compliquez les questions. Prenez un papier. Notez dans oui, votre tête. Oui, vas-y. Je note sur ma main. Mais t'es bête, tu seras devant lui. Non, mais note dans ta tête, ah ouais. Tu vois. Tu prends ton cerveau, tu le notes. Vas-y, attends. Attends-moi. Mais pas comme ça, arrête de tricher, wesh. Mais attends, je note dans ma tête, dis, c'est tout. Je te dis, écoute bien oui, comment on parle. Parce que je moi, note je faisais, dans mon cerveau, c'est tout, je fais rien du tout. Pas. Vas-y. Non, elle va tricher. Elle va noter, elle va faire un courrier. Elle triche pas, moi, je pas triché. Mais non, je triche pas. Non, mais je te jure, je triche pas. Là, c'est mon cerveau qui va t'écouter. Allez, vas-y, dis-moi. Moi, mais je te jure, je fais rien. Mais allez, frérot, moi, j'écris je dis rien du si tout. Bobby, je lui ai dit, mais toi, tu sers à rien. Quoi C'est vraiment n'importe quoi de te mettre une arme dans la main. On va tous mourir. Mais t'es vraiment méchant. Bien le bonsoir, arrête. messieurs. Bonsoir. Ouais, bonsoir, vous allez bien. Alors, ça sera quoi pour vous? Je vous sers quoi? Un petit calibre? Un petit matraque? Un petit couteau? Ah, ils ont pas envie de parler, hein. Non, c'est pour mon collègue, il vient regarder ce que vous avez en vitrine. Après, j'ai des... Attends. Roger, passe d'un coin, attends. Passe d'un coin, Roger. Là, ici, là, vous avez des jolis C4. Attention, vous blessez pas. Jolis C4, des grenades fumigènes. C'est pour toi, Sacha. C4, si vous voulez un jour piéger un véhicule c'est et tout, C4, c'est très utile. Non, mais ils ont pas trop le droit au C4, les citoyens. Ah, moi j'en veux bien! Regardez ça, monsieur! Monsieur, ça! Moi je peux vous conseiller. Moi je peux vous conseiller 3 catégories d'armes. Regarde, monsieur, ça! Regardez, vous avez le sniper lourd. Non, il fait ma taille, je veux pas. Et il y a des lance-roquettes là-bas. Les gars, c'est des citoyens, ils veulent pas prendre des grosses armes comme ça. Là, on va dire, il y a la mitraillette. J'ai pas un Glock, un pistolet? Peut-être une arme blanche? Ouais, je veux bien. Combien? Ah bah là c'est dans la boutique là. Ah. C'est marqué. Faut juste regarder dans la vitrine. J'aime pas trop regarder les catalogues. Ah. Ah bah je sais pas trop. Après vous savez on est en Amérique, je suis noir de peau. C'est un peu compliqué moi pour me défendre. Ah ouais je comprends hein mais c'est dans le catalogue hein. Ok pas de soucis. Nous on est juste là pour passer notre PPA, on est là de passage. Regarde PVMD, on regardera après t'inquiète. Ok, très bien. Ah là. Moi je c'est vois quoi, des réponses, frérot. Il n'y a pas de réponse. Vas-y, viens du bas, Shaolin. C'est un mytho depuis tout à l'heure. T'as du quoi? Moi je dis juste à Bobby. Bobby, tu veux savoir la réponse? Non, ça va, je préfère me débrouiller. Voilà, je savais qu'il allait dire ça lui. Voilà, toi t'es une risque, une grosse tricheuse. Ah, c'est bon. Allez, va-t'en là. T'as rien sur toi, wesh. Oui, police, tu m'envoies un message, police, c'est qui ça encore? Arrête pas de spam, police, il me nie. Je bloque. C'est la même position en plus. 67, il veut ta peau. Voilà, c'est juste la même personne. C'est un star, hein, non, monsieur. Je vous disais surtout. Captain, c'est une star. Ouais. Je suis attendu ailleurs. Fait un mec et un. C'est que d'apocalypse, je vais pas lui dire. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, bon. David qui courait des noms, les C4. Concernant vous deux, c'est l'officier 14 qui viendra passer vos PPA. D'accord? Il va arriver d'ici moins de 3 minutes. 10-4, c'est bien reçu. 10-4. Du coup, 08. Oui. Venez avec moi, on va juste passer au commissariat pour que je vous remette le papier et je vous ramènerai ici. 10-4. Vous allez. Iris, tu vas perdre. La bouche. Oh. Vous pouvez marcher bien. Pas d'esprit, hein.
Prends les gars à propos PDP. Ils vont lancer allez, un écoute. Truc ce soir. Mais je sais pas, moi j'ai rien vu en tout cas. À qui ça? Oui, oui. C'est normal. Ah ouais? Ok. Salut collègue, ça va? Salut, ça va et toi? Si vous voulez, ça va, ça va. J'ai eu mon PPA, Oh, félicitations, mec. Tu viens en battre avec nous? Affirmatif. Au prix où il you le met. You are the. Du coup, monsieur, c'était à qui le gilet pare-balles? Comment? Le gilet pare-balles, c'était à qui? Vous inquiétez pas. On va prendre les empreintes digitales et on verra. Ah, vous l'avez pas retrouvé? Non, il ne veut pas se dénoncer. Donc une fois que je l'aurai retrouvé, je fracasserai sa tête dans les chiottes avant de la mettre dedans. Ah, il faut, il faut. Du coup, rappelez-moi votre nom. Oscar Connor. Oscar Connor. Connor de N? Ouais. Ok, attendez, je vais mettre ça dans la machine pour plastifier tout ça. Excusez-moi, je récupère la précommande Barry, mon PPA. Voilà. Capitaine, c'est mieux la précommande pour le PPA? Je reviens, je vais juste ramener quelque chose. Alors, t'as PPA? Ouais, j'ai eu. Facile. Champion! Facile. Ah oui, facile. Certicucel, facile. Ouais. Certi, c'est comme ça s'appelle encore, ouais. De quoi? Non, rien. Ok, peut-être, c'est vous, vous avez mis l'imprimante? Attendez, je vais vous le faire juste après. Donne-la, voilà. Donne-la. Vous pouvez l'admirer, il est tout beau. Waouh! It's beautiful. Admirer quoi? Ah, le papier, ouais, waouh! Voilà pour vous aussi. Merci beaucoup. Je crois que j'ai fait une faute à Savastano. Bon bah, ah bon vous me le redonnerez après. Hein. Oh, pas de inquiétez pas. Il reste qui parfait. À passer un PPA bah du coup, partez avec 08. Il y a 2KD déjà à l'armerie. Oh, okay, parfait, on y va. Le 4x4 était mieux, hein. Ouais, il est plus beau le 4x4. Tu vois, il est pété. Ouais, t'inquiète. Wow, t'as fait l'accident. Quoi? Vous avez fait l'accident? Non, course-poursuite et le gars en moto, bah, impossible à rattraper, hein. 10-4, j'ai mis le GPS 10-31. Ouais. Non, 10-76. Personnalise un pistolet, s'il te plaît, comme ça, t'as le PPA. Ouais, faut que je prenne le pistolet. Tango 14-10-31 sur une manche bleue, vas-y, fonce. Sortez la Marie, hein. On passe devant les MS. On passe sur Arcadius. Mais c'est impossible à rattraper, il est en full ligne. Sanchez bleu, c'est ça? BF400, vous avez un descriptif. Elle va passer devant Concess Auto. Non, je trouve un pour faire ça. Elle passe dans le chantier. Très bien, j'arrive. Fais le tour. Obligé de ressortir. Voilà, gars. Ça c'est toujours comme ça, il est là. On passe devant Pôle emploi. On passe dans le parking Pôle emploi. C'est chiant, on a pas de moto nous. Est-ce qu'il prend la montée? Oui, il est monté. Il sort Pôle emploi. Descendu. Il va repasser dans le chantier.
à gauche. On l'a perdu hein. À quel niveau? Chantier hein. Ouais. Très bien, je vais aller dans le chantier voir s'il se cache pas. Ouais, 10-4, nous on va à l'armerie. Mais bon, il était en full wing hein, pour nous c'est un peu de l'attraper hein. Très bien. Ils vont nous casser les couilles, tu vois. Garde-toi bien hein, tu fais quoi? Ah mais je crois qu'on va récupérer quelqu'un. Non, on va passer PP. Ah mais il a pas eu le PP. Qui? Il y a encore deux. Il y a encore deux, il faut passer. Je peux avoir un arme maintenant, c'est ça? Ouais, oh, t'es droit au pot. Calibre, sniper et tout. Non. Calibre sniper RPG. Ah. Elle passe devant l'armurerie la BF400. J'arrive. Elle passe place des cubes. Toi à droite, toi à droite. Bah du coup, non, on peut y aller si tu veux. Elle passe devant nous, l'armurerie. On peut y aller si tu veux, collègue. 10-4, les gars. On y va. Allez, hop. Par contre, Tay, il abuse pas. C'est bon, le poursuit. Mais laisse-moi. Allez, montez les. Ok, on monte. Mais ah, le CV, il montait pas. Foncez, allez. Oh, mais Marco. Demandez à la radio où est-ce qu'elle est. Allez, c'est full le KD là, on va les niquer. Les gars, elle est passée où? Fais quoi de 2, tu veux? Et dans le chantier, je suis encore. Attends, il y a un mari, écoutez Giro pour voir où il est. 10-4. Ouais, éteins-les nous, sinon ça sert à rien. Ah, l'autre côté, je sais pas. Non. J'entends rien. Ouais. Ils ont coupé aussi, putain. Ils voulaient provoquer, hein, ça, il veut jouer nous là. Forêt d'Euro. 34 pour 14 fêtes, hein, 10-20. Ça va se casser la gueule, je vais rigoler. Hein. Pour l'instant, on a pas dit 31 de la BF. Hein. C'est la mari qui l'a. J'ai pas suivi la radio. On a un passe poursuite. Ok, mettez-moi le point. GPS, les gars. Mettez-moi le GPS. Vas-y, c'est droit devant. Droit, tout vent. Ok, les gars, on est les cadets, on est les meilleurs, on va le défoncer. On va les croiser, Si tu les crois, tu mets la porte. Non, y'a pas besoin, je vais ouvrir la portière. Bah, ouvrez la portière, les gars. Je pile. Et il faut qu'il enchaîne les 10-20 en fait, parce que c'est bien beau de faire un 10-20, mais. Refaites un 10-20, Marie. D'ailleurs. Ok, il est parti de l'autre côté. Ok, vas-y. Il est sur l'autoroute. Non, elle bâtine. Ah, en même temps, il y a de la neige. Hein. Putain. Ouais, faut aller monter sur le. C'est quoi la voiture? Une Manchester, c'est une moto. Non, c'est une moto, BF400 en cross. Ah, okay, BF400 ou Manchester? Ouais. Ils sont derrière nous là? Ah, je vois rien. Ouais, si, ils sont à droite. Vas-y, go. À gauche. Là. Wesh, il est en contre-sens là, mec, c'est un gros malade. Ah, bah lui. Allez, on va y arriver. On va le bouquer. Attends, je vais mettre un code 2. La Marie? Allez, accrochez-vous. Oui! 2 minutes, oui. Ça c'est compliqué. T'es sur autoroute? Wouah! Suivez le dernier code 2. On est derrière eux. Hôpital actuellement. Vous êtes sorti de l'autoroute? Négatif, là on le reprend là. Ouais. Oh! Fais 10-20 constant. 10-20 Iris. Code 2. C'est bon. Toujours sur l'autoroute. Dis-en. Je suis à fond du sud-bas, pareil. Arrêtez-vous. Continue. Merde. Allez, il est parti tout le temps même. Voilà. Vas-y.
toujours. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il fait? En disant, disant. Ils apparaissent comme ça, what the fuck? Allez, enchaînez les 10-20 là pour les unités. Non, 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 après ils sont paumés là. Là, là pour l'instant, ils ont un 10-20 là. Quand tu vois, il y a plus de fanat. Non, on l'a perdu, non. Non, droit devant, droit devant. Ah ouais, ouais, ouais. Putain, je suis chaud là. Allez, on passe en centre-ville. Allez, à gauche. Allez, viens, 10-20, 10-20, 10-20, 10-20. L'abattoir Raven actuellement. Eh, ils sont deux? Ouais. Ouais, ouais, deux sur la moto, ouais. Ok. Ah, mais c'est. Attends, quoi? Les deux motos? Armory. Non, ils sont en deux sur une moto. Ok, ok. Ah, ok, y'a une moto à nous qui l'a su, ok. J'avais pas compris. On a surtout de la chance qu'ils sont deux sur la moto. Et bon, il lève hein, pour contrer ça. Hein. Ouais, mais de ça le compte pas vraiment. Ben du coup si. Je peux rouler à 180 et lever la roue. Hein. Ouais, sauf que c'est moi qui suis derrière lui. Et je suis bien, capitaine. Tout ou tard, il va se crasher. Ouais, ouais, faut juste pas qu'on se déconcentre et ouais. Mettez radar et choper la plaque en convoquant, c'est bon. Hein. Ouais, ouais, choper la plaque. Y a pas de plaque, c'est une crosse. Vas-y, il faut le bloquer là. Ah, il va aller là. 10-20. Vas-y, tourne à la droite. Non, mais gros, il croit qu'il pèse 10 kilos le mec en fait. Mais tu fais quoi ? Il part dans les montagnes, je peux pas le suivre. On peut pas avancer. Je suis fin de 10-20. Bah. Nous, on est en sport donc. Non. Lui, il est en cross. Il va repartir sur l'autoroute, c'est sûr. Bah, je sais pas. Vite là, retrouve leur gyro. Il m'a appelé Giro. Putain, passé où? Elle est encore dans les montagnes là, hein, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Aïe, oh, j'ai eu peur. Putain. Regardez, je le suivais derrière. Ah, le suivais, il peut y aller. Grimpe avec le suivais là. Eh, ils sont chauds, hein. On est chaud, nous. Par contre, nous en sport, on peut pas. Hein. Mm-hmm. Même la Marie, c'est pareil. Il y a un téléphone qui sonne. Allô? Oh là ouais, là. Je suis en course poursuite là. Tu t'as où? Ouais, je te rappelle. Quelle image? Ce véhicule rebondit trop. Pas moyen de monter avec un 4x4. Putain, il me saoule. Du coup, vous avez pas du 31? J'ai une plaque, par contre, je sais pas si c'est celle d'un concitoyen ou la sienne. Ah, prends la tablette et essaye. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et oui, il est parti en. Dans les montagnes, je pouvais. Ah, je suis en offre avec le SUV, mais je vais repartir avec un neige, c'est trop chaud. Ah, bah là, on va retourner à l'armerie du coup. Hein. Bon, sinon, on va le PPA, les gars, ils sont bien. Ouais. Bah, quoi, ils nous diront parce que du coup, ils sont occupés là, les formateurs. Et du coup, qui c'est qu'elle fait pas ici? Pas moi encore. Moi, j'avais pas encore, je l'ai pas encore passé. Hein. Moi non plus. Zéro 8, t'es là? Ouais. Du coup, pour ceux qui n'ont pas passé le PPA, faites un 10-76 à l'armurerie. Et pour ceux qui ont PPA, formez des Adam ou un X-Ray pour partir en 10-31. Okay, il y a une personne qui a le PPA ou pas ici? Ouais, non, moi je l'ai pas. Ah, vas-y, bah on part ensemble. Allez-y, là, ceux qui allez, ont PPA. Ah, tout à l'heure, les gars. Hein. Bonne chance. Vas-y, arrive pas. Iris, bouge! Attends. Quoi, attends, bouge? Oui, oui, c'est bon. À tout à l'heure. Ouais, oui, oui. Et pas comme ça. Oui. Petit saut. Fait un petit saut, mais il fait déjà des sauts. Qu'est-ce qu'il dit? Pas de problème. Icon 14, 1076, armurerie. Les deux en attente de PPA à l'armurerie. 4 du coup pour les autres, il y en a combien qui ont PPA là? Les deux autres ils sont partis. Ok, 10-4, ils portent un Adam et puis c'est bon. Vas-y, fais 10-31, Adam 78. Quoi? Je peux le faire. Adam 78, 10-31, secteur 1. 10-41. 10-41.
chier. Des trop de code là. J'ai la lopette. Il n'y aura pas de message, j'aime pas tel. Ouais, t'as le radar activé là ou pas? Non. Comment on l'active? C'est-à-dire appuie sur le. 33, visite médicale terminée. Appuie sur quoi? 10-4, il dit qu'il fait 33 qui l'amène à l'armurerie. Sur PDP. Ah, une unité qui prend en PDP et qui l'amène à l'armurerie. Qu'est-ce qu'il y a dit? T'as réussi? C'est s'allumer là ou pas? Attends, ça marche pas. Ah! Oh shit. Aïe. Oh, mais non, mais pas comme ça. Mais non, F7 là, la touche collée là. Ah voilà. Après, y'a rien. Là, c'est un objet. Hers, caisse. Pourquoi on a des Hers? Moi j'ai des S. Et ah, j'ai pas. Négatif là, le véhicule est volé. Est-ce que de façon voûtée hein? Je sais pas le bon mot de rien. Ah, radar activé. Ça sert à quoi le radar activé? De quoi? Ah, braquage en allez, cours. Bon, oui, je monte sur braquage. Que toutes les unités qui ont le PPA aillent sur ce braquage. Je veux un résumé de la situation. Moi le point, moi le point. Adam 78, est-ce qu'on peut prendre les choses en main ou on attend supérieur? Il est où le bras? 34, 30 avec moi. Il est au niveau d'où le braquage? Adam 78 à centrale, c'est quelle banque? Ce putain de radar là, casse-toi. C'est celle de derrière le PDP, le près du TCO. Derrière le PDP. Ah, non. T'as pas d'arme, ah ouais, mais ouais. Je vais le prendre après. C'est... Je prends un peu les gars, vous inquiétez pas. Qui c'est qui a pris la peine du braquage? Et moi je vais vous faire des codes dès que j'y suis. 10-4, tu sais c'est vers où? Non, non, écoutez. Ah donc j'avais raison, c'est bon. Je suis sûr c'est eux là, les motos. C'est le braquage il est sur le 10-20 là, ou c'est dans la boutique à côté? Exactement, sur le 10-20. Avec une unité, l'unité qui part là, allez vérifier. À l'intérieur. Le 10-20 il est sur l'autoroute, je comprends pas. Non mais la super est à côté. Et c'est pour ça que j'y vais. Allez Speedy, on va entrer. 1, 2, 3. Rapport de situation. RS pour le moment. Ils sont rentrés. Rien. RS. Rien, le coffre est pété. Ok, très bien, vous pouvez repartir en 10-41. Ça va? Vous allez bien, capitaine? Je vois que votre déco ne fait des... C'est pas moi qui pilote. Ah. C'est quoi ça? Ne posez pas des questions. Eh, c'est pas de chinois ça? Sauter s'il y a vraiment un problème. Hein. Pas de chinois, Nico? Eh ben vous êtes bourré votre pilote? Bah c'est l'IA. Ah, OP51? Vous pensez quoi? Je pensais à quoi je pense? Qu'est-ce que tu penses? On s'est dit un petit café? Un quoi? Un petit vas-y, café, c'est vas-y, vas-y, viens, je dois te chercher mon arme, moi. Wesh, attends, mais regarde ce que c'est. Ok, je l'ai.
Adam 78, on se rend sur les lieux. Terminé. Putain, mon radio s'est enlevé. A reçu. Allez, c'est vrai, on t'a oublié. On va les avoir là. Ah, faut être plus rapide. Ah, ils sont là. Ok, c'est une sultane bleue qui s'enfuit des lieux, on vous fait des 10-20. Ok, je fais 10-20 moi. Ah. F6, trompé. Attends, déjà j'enlève le F7. On est au niveau du Bahamas. On revient vers la ville terminée. Rien à foutre, j'ai fait face à face. En direction parc central, je répète, direction parc central. Dis ça, sont pas cohérents. Refaites un 10-20. Direction par horizontale. Ah oui, d'accord, on est sur 10-20 nous. On repart vers le mécano, terminé. On repart vers le parc central dans les parkings. refaites des 10-20. Je fais les 10-20, t'inquiète. On est à côté du parc central, il passe devant le parc central. Direction hôpital. C'est bon, on les a vus. Et on va dans le parking. Direction concessionnaire voiture. Il va rentrer dans le chantier, coup sûr. Ou pas. C'est bon, on les a. Chantier. Il est passé dans le chantier. Il est bloqué. Il est bloqué sur nous. Il est passé par là où il passait la moto. Fais le tour. C'est bon. Et la vie de ma mère. FNZ véhicule. Il s'est enfui à fille. Bougez plus. Levez les mains. T'es bloqué sur radio, fais gaffe, hein. Oh, monsieur, levez les mains. Y'a un chameau en bas là. Ouais, je l'ai. Monsieur. Non, mais t'inquiète, il va là, bon courage. Hein. Rapport de situation. On a un cas distant. Ah, il a mal à la tête. Mais l'autre, vous l'avez? On a son collègue, il arrive, mais il va revenir. Il va revenir. 34, tu. Non, il est de remis en deuil, 34. Oh. Il va pas le mettre dans la voiture. Ouais. Frappe à moi, Iris. 100%, il a F4. C'est sûr, il a F4, ce bâtard. Parce que je. Comment l'autre l'a faussé dedans, par contre, il manque de respect. Allez, saute là en cas de tombant. Ok, c'est bon. Faites-nous un code 2. Pourquoi tu rigoles? Je t'ai fait rire. On effectue la fouille. Affirmatif. Pas de biais, le monsieur, vous redirigerez vers la portière. La voiture. Regardez, on va aller voilà. À vos droits, Amada. Vous avez bien rien sur vous, hein, de dangereux. J'ai rien. Amanda. Moi, j'attends l'autre, là. Petit pipi. C'est qui l'individu à pied? Quoi? Il y a un individu à pied. Je croyais que vous aviez les deux individus. Bah là, il y a 10-100, donc c'est compliqué. L'autre a 10-100. Vous êtes sûr de ça? Bah il y a 10 cents devant nous. Ok, bah nous avons un individu à pied.
Vous, vous êtes pris l'autoroute? Oui. Il est où là, Dragibus? Prends le SUV, je vais le frapper, Dragibus. Laisse-moi prendre le... faire le point là. Bon. Pendant ce temps, 34, tu iras droit à Miranda pourtant, et tout. Pourtant, ça ressemble et à un pistolet. Et l'unité va chercher hein. Un autre véhicule. Ouais, ça ressemble à un pistolet, hein. C'est un pistolet, ça. La personne a un pistolet, 14. Vas-y. Quoi? La personne a un pistolet. Je reste avec Bobby. D'accord. La personne à pied, elle est là-bas? Faites un 10-20. Prends ton létal, prends ton létal. Il est bizarre, lui, avec ses bruits, là. C'est quoi, létal? C'est ton arme létale. Parce qu'au cas où, parce que là, il y a la Mercedes. Non, c'est bon, pas la peine. Ah, ok, t'inquiète. Ah, mais faut je vais récupérer la S. Faut récupérer, attends. Ah, merci. Je regarde ça. S'il vous plaît. Non, si, je vais discuter. Je vais discuter seul, collègue. Allez, go, allez. Vous allez me donner vos papiers d'identité. Ouais, vas-y, t'inquiète. Hé, voilà. Hey, bouge pas toi, bouge pas, je t'ai dit, bouge pas. Pourquoi tu bouges? Les mains dans la tête, les mains en haut la tête. Les mains en haut la tête. Les mains en haut la tête. Les mains, lève les mains. Lève les mains. C'est bon, tranquille. Hey, bouge pas, le temps, je fais des business. C'est bon, ok, je bouge pas. Aïe, hermano, non, hermano, aïe. Tu le lâches, lâche-le. Reculez, monsieur. Monte dans la voiture. Reculez. Non, hermano. Recule, monte dans la voiture. Il me pointe, je suis obligé, attends. Voilà. Je suis menotté, hermano. Pose ton arme. Oui, c'est bon. Démenote-le vite, vite. Démenote-le, dépêche-toi. Je sais pas comment démenoter. C'est démenote. Allez. Attends, me mettez pas la pression, je me trompe. Si, je te mets la pression, je m'en fous, là. Ah, purée. Faites une grave erreur, moi je crois qu'on était des amis. Montez. Ah, désolé monsieur. Mais hermano, j'avais eu mal à la... C'est qui? Bon bah je confirme, hein. Ils ont récupéré le gars qui ont 10 ans. La Mercedes, la Mercedes m'a braqué, a pris l'autre personne. Répétez. Mercedes bleue là, je m'en occupe. Ouais, la Mercedes bleue. Mais non, bon, okay. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux 10 ans? Ils ont braqué le cadet. Ah, ils ont ça revient 10 ans et ça braque. Voilà. Okay. C'est la Mercedes bleue de Peter, attendez hein. Mercedes, une Mercedes bleue, c'est ça? Mercedes bleue, Peter, je les ai contrôlés en plus. Ouais, ils laissent le véhicule. Ils sont hein. Moi je prends l'autre et c'est bon hein, c'est trop. Prévu d'avoir crash, bah non, c'est pas arrivé d'avoir crash. Oh, DV, elle m'a pas laissé faire mon premier arrestation, frère. Alors moi je prends pas d'un véhicule comme ça, frère. J'ai perdu un Merco, hein, bien sûr, beaucoup trop puissante pour nos véhicules. Hein. Dernière position. Ah bah, chantier, mais ils ont braqué cadet. Chantier, oui, mais ils sont partis sud, est. Si vers. Nord. Le port. Ah, sud, port, d'accord. Vas-y, mets-le dans la voiture. Oh purée, désolé, 14, ils m'ont. T'inquiète, je l'ai braqué. C'est temps, ils t'ont braqué, mais. Pas trouvé leur logique, je l'ai mis 10 ans. Je l'ai menotté au début, après, ses potes sont venus. Ah, mais il y a 10 ans de base, donc tu vois, de base, on aurait dû arrêter plus longtemps, tu vois. Et j'espère que vous avez bien compris vos droits. Ça va, monsieur? Il a dit oui au droit, hein? Ouais, il a dit. J'ai rien fait, ça va. J'ai soif. Et t'as intérêt à cracher, non, je te préviens. Bah, j'ai rien sur moi, désolé. Tu veux conduire 14? Vas-y, conduis. J'ai craché. Donner, monsieur. C'est toi, tu m'as dit de cracher. Hein? Vas-y, bah, crash. J'aurais rien pas dit crash. Il va morfler. Je m'en occupe. Non, c'est. Bonne journée, monsieur. Morflez bien. Qu'est-ce qui s'est passé, frérot? Bien la Adam 14, 10, voilà. 19 pour un 10-15. Envoyez Lilia, s'il vous plaît. Pourquoi t'as dit. Vas-y, annonce qu'on est en. On a un des 4, donc à mon avis, on va donner Lilia, ils vont se faire plaisir. Death bleu et tout, hein, je s'est arrêté tout à l'heure en plus, hein, sortez gars. Tu les connais, dit que c'était les STK. Bon, après, à vérifier. Hein. Pas masqué. 33, toujours au PDP, possible de venir me chercher ou quoi? 10-4, 08, prends 33 le temps. 10-4.
crois, je suis pas 0-8. Oh, ce Mercedes, on va le voir, on va le frapper, frère. Il est. Il a empêché. Oh, il a empêché de faire mon premier taser. J'ai tasé le mec. Ah, j'allais chirper un là, putain. Mais par contre, là, les. Oh, le Mercedes, là, on la voit. Hein. Ouais. Mais j'ai pas compris. Attends, on t'a braqué ou j'ai pas compris? Ouais, je l'ai menotté, mais après, ses potes sont arrivés. Attends, je cherche mon arme là. Ok, vas-y. Vous avez pas d'arme, vous? Et dis ça pour aller chercher ton arme. Ben non. Bon, je cherche. Hop. Oh. Oula, ça va, Nico? Pistolet de combat, c'est pistolet de combat ou pas? Ouais, ça c'est va. C'est ça? La feuille faire boum là. Atterrissage ouais. Compliqué, hein. Oh, c'est ça. Oui, plus que compliqué l'atterrissage. Ouais, bonjour monsieur. La sultane est devant le PDP, hein, derrière le PDP. T'as demandé ce que voulait le monsieur? Sûrement de boire un café, non? Vous avez besoin d'un truc, monsieur? Anouna, regarde, je prends un pot en chasse, ça ne vaut même pas la peine, hein. Merci quand même. Ok. D'accord, pas de problème. Des verres. Putain, des verres, j'ai fait mon premier arrestation, frère. T'as volé. 69, retour d'indice 100. Attendez, parlez un peu plus fort, je vous entends pas bien. Monsieur. Tiens, s'il peut tirer sur le stand s'il a envie. Hein. Attendez, ça derrière le PDP. Derrière le PDP. Devant le PDP. Derrière. Derrière, il y a des PDP. Regarde, il masque la klaxon. Allez, hein, l'IA, elle peut s'en occuper. Hein. Il se casse bizarrement. Laurie fait décoller et prenez en chasse le. La sultane, hein. 10-4. C'est quoi le truc? Mon putain! J'ai dit Henri, pas oui! Il demande. Non, trop tard. Trop tard, mais. De toute façon, il est nargué, hein. Frère, vous écoutez pas la radio ou quoi? Dommage que j'ai pas mon sniper sur moi. Ah, mais t'aurais vu, c'était beau, hein. Il est venu klaxonner derrière nous, vraiment. Attendez, je vais leur mettre quelqu'un à dos. Code 20? T'inquiète, c'est bon, c'est réglé. Bravo! Envoie-moi le IA, s'il te plaît, 39. Vous avez passé votre PPA ou pas? Allô? 30 à l'appareil, je vous écoute. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, ok, d'accord, oui. 2. Quoi? Sous les sirènes. Bonne journée. C'est qui? Ouah, trop bizarre. Il y a la Azteca Svi là qui m'appelle et qui me dit je suis désolé, on n'avait pas le choix. 69 pour un 10-24 situé à l'hôpital UTE. Bah, je sais pas. Quoi, putain. Il y a un individu qui a un casque qui a appelé les EMS dans le nord et apparemment l'histoire est un peu louche. Qu'on a arrêté, hein. Enfin, vraiment. Enfin, peut-être, c'est... enfin, je sais pas. Je vais m'y rendre. 4. Attendez, mon téléphone sonne encore. Oui, allô? Oui, bah aucun problème, on va voir avec mon frère. Oui. Ok. Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ok, d'accord. Bah, vous inquiétez pas. Hein. Aucun problème. Tu auras de t'inquiète, Dorian. Faut bien les informations, t'inquiète, avant de dire... Je sais pas, elle me dit, ah non, je voulais dire, désolé pour la Mercedes, on l'a mis dans l'eau. Oh putain, elle a l'air conne. Ouais, c'est bizarre, je sais pas pourquoi elle m'a rappelé. Oh, c'est la musique. Bon bah, je fais rien alors, je pas d'appel radio. Dis-le... Je leur dis quand même. On va en patrouille pour chercher les... On va en patrouille quoi, bon. Ok. On va nourrir pour voir si attends, on peut. Attends, je réfléchis. Alors attends. Du coup, j'ai raté Tango ma visite 0... médicale. 8...
Ouais, moi aussi. Ah, mais non, moi, c'est pas ma visite médicale, c'est mon PPA. Alors attends, Tango 08, 1041, secteur 1, secteur 2. Je vais m'entraîner à conduire. 78, reprise de service, est-ce que ma patrouille pourrait revenir me chercher, s'il vous plaît, je suis au PDP. Bah, regarde, ouais, HP. Je sais pas, t'es un patrouille qui. J'étais en patrouille, je sais pas son matricule, mais en 10-4, on vient. Ok, parfait, merci. Mais PDP GPS, s'il vous plaît. Attends, attends, attends. Oui. Mais PDP GPS, je t'ai dit. Moi, je veux pas, je veux pas. Vas-y, mais PDP GPS. Merci, œil. Je m'entends à conduire, moi. Ouais. Parce qu'avec la neige, faut qu'on s'entraîne là, parce que. Ça drive bien. Wesh les collègues, ça va? Ça va et toi la famille? Ça va et toi? Oh, je suis dégoûté les gars, j'ai eu un mal de tête là. Ah. C'est moi qui conduisais. Toi, je te cherchais, t'étais où? Mais oui. En plus, alors, vraiment, au pire moment, là, je l'ai chopé, c'est pense, beau, mais après ils sont cassés. X-ray 30, 1041, secteur 1, secteur 2. 4. Bah, ouais, c'est parce que t'as pas pris un café crème ça. Non, pas je suis content de la grosse pensée, t'en as réussi à dépenser. Ah oui, je l'avais dit ça. Ouais, par contre, t'as bien géré pour le choper dans le coin là. Ouais, merci. Après l'autre il s'est échappé, je sais pas comment il s'est échappé, je crois que... Il est parti à droite, il y en a un est parti à droite, il y en a un est parti sur droite. Ouais ouais, mais il y a 34 qui voulait le fouiller, et du coup il s'est échappé encore l'autre. Et du coup le... Bah... J'ai réussi, enfin pas réussi à l'arrêter mais... Genre on l'a menacé. Le jeu lui aurait gagné des points. Ok parfait. Le jeu t'inquiète, pas besoin de points nous. Vous avez le PPA du coup ou pas? Moi oui. Eh non. J'aime pas la visite. Attendre la visite de tu veux faire la visite médicale? On va voir si c'est si le médecin ou pas. Ouais mais le médecin faut pas le brusquer, hein, il aime pas trop ça. Hein. Oh, tu parles de la dame? Ouais. Oh ça va, elle est sympathique, c'est juste... Non mais elle est gentille hein, mais on peut pas y aller comme ça quoi. Ah ok. Si vous voulez, je vous passe votre PPA moi si vous voulez. Je l'ai déjà. Ah oui c'est parce qu'il a un matricule 33 et elle est pas à l'aise avec ça. Ouais. Quoi? Elle n'aime pas le monde. On n'est pas très professionnel tout ça. On n'arrive pas. La médecin, elle est pas très. Discute, je te mets dans les 33. Trucs pour parler. Parce qu'en fait, 33, c'est un ancien collègue à nous et il est mort et apparemment elle fricote avec lui. Ah oui, je travaille avec lui moi aussi. Bah après, je peux la comprendre comment elle m'a expliqué les choses. Genre, il y avait 33, 69 et. Ah, mais bon, c'est des chiffres. C'est le pire, si lui dit MD, j'en ai plus. Enfin, c'était professionnel. Mais frère, je viens de commencer à puis à coup, j'étais. Il y a un pompier qui court là-derrière. Qui... 69 pour 14. Qui parle en code H24. Ancien collègue en plus. Il est en bas pour vous, 39. Que des unités se rendent immédiatement au magasin de vêtements près du Rasta Shop. Il y a le Merco Rouge là-bas. Bonjour. Alors je suis mon jeu pas bonjour. Bonjour. Oui mais peut-être qu'ils ont changé un coup. Je me suis fait voler mon... Le problème c'est que j'ai ces gants en bas donc je pouvais... X-ray 0 ou Taze. Il veut pas descendre là-bas là. Votre camion de pompier c'est ça? Ouais c'est ça. On vous dépose mais on doit y aller parce qu'on a une urgence après. 08 pour radio, on va déposer un pompier qui s'est fait voler son camion avant. Incompétent hein. On va déposer où? C'est pas trop dur. Moi je te pose dans la centrale hein. C'est pas trop dur en ce moment monsieur je travaille. Qui a mis des 69 pour centrale, est-ce qu'une unité peut venir me chercher à l'hôpital? Les gars vous voulez pas qu'on se sépare en deux adams? Allez descend. Ah, descend, j'arrive. Les gars, si on sait on aura une patrouille de 3, une patrouille de 2, on sera plus pour les côtes ensuite. Pourquoi ça pète de l'eau? Descends okay, si tu veux. Ah merde, excusez-moi. Ah je crois que c'était risque le porte, c'est pour ça que j'ai gueulé. Allez descend. Attends, attends, on a eu un rendez-vous là avec le capitaine? Je sais pas, boutique à côté de je sais pas quoi. Quoi? Hein? Vous pouvez réitérer le 1076 où on doit aller? La shop. Elle est passée derrière le commissariat, pardon, et elle se dirige vers le quartier shop. C'est quoi ça? Je sais pas. Le Rasta shop. Ah ouais, c'est un genre de Rasta, mais shop. Mettez le GPS, ça c'est où? Vous pouvez communiquer la localisation du Rasta shop. Actuellement, j'ai dit qu'elle passait derrière le commissariat. Ah, c'est pas la boutique de weed là qui a en fait. Ah, il y a une course poursuite. Groove Street, Forum Drive, tout ça. 10-4. Ouais, en gros, c'est vers les. Attends, mais au pire, collègue, dépose-nous au commissariat comme ça on prend une autre voiture. Qui c'est qui veut venir avec moi? Allez, je reste à des risques, moi.
Ouais, vas-y, je reste avec mon frère. Vas-y, les gars. On va aller choper, c'est une grosse poursuite là. Vas-y, dis. Dis où c'est 300 mains d'âme, Iris. Ouais, vas-y. Ouais. Allez, go, 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 je vous quitte, les amis. Vas-y. Henri 30 se transforme en Adam 30. X-ray, hein. Ah putain, je suis con. Quoi? X-ray 30 se transforme en Adam 30. Putain, mais je suis teubé, pourquoi j'ai ça en tête là? Léa le comico. Ah, bah j'ai cru qu'on l'avait arrêté. Je sais pas, les sirènes elles sont tout là-bas. Mais à mon avis, c'est pas ça parce qu'ils ont dit un peu les quartiers chauds et tout. Ils ont parlé de ça, je crois que c'est vers là-bas. On va savoir, c'est quoi? Quoi? C'était des rires. Ah, des rires là-bas peut-être. Je sais pas, j'entends aucune sirène, c'est bizarre. Comment je conduis bien? Toujours en 10-31? Vent! Bah ouais, mais il aurait pas peur. Adam 78, 10-41, secteur 1. Yunra. Bah. Ok, DVR, ok, DVR, ok. Bah super, pourquoi, la course. Je serais plus une Mercedes là. Moi je croyais qu'on était potes. À cause de toi, je pourrais plus avoir une Mercedes avec toi. 34 points central. Écoute. Monsieur Mike Cooper s'est déplacé au PDP. Il avait rendez-vous lundi, mais il avait un problème. Donc il s'est présenté aujourd'hui. Ah, je conduis bien en vrai. Convoqué au PDP dans les alentours. 14 à 34, l'arme que tu as récupérée a été opérationnelle chez vous ou pas? Elle était chargée, oui. Voilà, vous avez ma réponse, j'ai pas bien fait. Ah bah, dans 10 minutes, il a intérêt à parler. Mais j'entends les sirènes là-dedans. J'entends rien du tout, moi. T'as pas les sirènes, non? Ah si, mais je pense que c'est vers les quartiers chauds, enfin attends. 14 à 89, vérifie si c'est des balles à blanc, ce qui paraît sur des. Ce sera un flag à grenaille. L'arme est dans le carton en salle de saisie. Fais voler son camion, ben son camion on l'a trouvé. Oh, c'est quoi ça, un Mercedes? C'est un Mercedes? Quoi, où ça, où ça? Ça c'est quoi? Attends, regarde. Ah ouais. Attends, vas-y, roule. Elle roule vite en plus. La Sultane, Sultane. Ah, c'est la Marcelle. Ah non, mais Mercedes. Ah, ok. Je sais pas, je vois pas. 10-31, Sultane Bleu, près des quartiers chauds. On arrive, faites un 10-20 s'il vous plaît. On est en 10-31. Ouais, j'ai dit, t'as entendu sur la radio ou pas? Parce que, petit problème de voix. Allez, fais le 10. Adam 78, on se lie à la poursuite. Pourquoi mes sirènes s'allument plus? 10-4. Vas-y. Moi j'ai des petits problèmes de yeux, alors je te fais confiance. Ouais, je suis chaud là, je suis chaud là. Tout droit. Près du centre-ville. Code 2. What? Mais what? Oh! Putain! J'étais chaud! Passe l'autre côté, là. À gauche? Ouais, vas-y, continue là. On a tapé, on doit s'arrêter, terminé. Vas-y. Là, par là. Ils sont où? Je sais pas, mais c'était tout droit. Je sais pas où elle est passée. Purée, chou, je sais à rien. Quoi? Non mais c'est à rien vraiment, Iris, frère. Tu sais pas, là-bas, ici, là-bas. Mais je t'ai dit, j'ai des problèmes de yeux et en plus, tu t'as fait un tonneau, c'est pas ma faute. On l'a perdu, dis, on l'a perdu, nous. Appuie F pour les sirènes, ouais, prends. On a perdu la Sultane Bleue. Moi, ça marche pas, mes sirènes marchent plus. Ah ouais? Écoute, Manu, ils sont là, oh putain! Oh, on l'a revu! On 10-31 sur. Vers garage central, Sultane Bleu. Fais le 10-20, ce sera plus simple. Hein. 10-20. Moi je le vois dehors. Arrêtez-vous! FBI! Quoi? Mais on n'est pas l'FBI!
En haut. Tiens, oh, oh, bâtiment FBI en face, bâtiment, on va vers garage central. Oh putain! On se dirige vers garage central, on est près du bâtiment FBI. Au-dessus ou en dessous? Allez, il descend, il au-dessus, descend. Au-dessus. Il descend. Il descend, interceptez-le. Vers Il fait quoi quand il descend? Il fait code 2, vers le code 2. C'est bon, vers le code 2. Là, on descend, on est vers le parking rouge. 34 offre radio. Il rentre dans le parking. On rentre dans le parking rouge, on est à l'intérieur, étage 1. On part de le parking rouge. Et bloqué la sortie au niveau du rez-de-chaussée. Bloqué la sortie au niveau du rez-de-chaussée. Il est sorti où? Mais ouvre tes yeux, toi, frère! Mais je t'ai dit, j'ai des problèmes de yeux! Descendez, vous bloquez la sortie du rez-de-chaussée. Nous, on bloque l'entrée principale. Il est sorti du parking rouge, il est sorti. On l'a perdu. Il descend là? Là, on l'a perdu. Frère, faut que tu ouvres tes yeux. Je te dis, besoin de SHP ou pas? Le mec est cadé, il dit FBI. J'ai pas de sirène, ça m'énerve, toi tu ouvres pas tes yeux. Donc du ouf, hein. 14 et 99, est-ce que vous voulez SHP? C'est ici? Oui, on l'a sur nous, parking rouge, il repasse devant. Okay, il va au pôle emploi, direction pôle emploi. Parking rouge, parking rouge. Ok, on repasse devant le parking rouge. C'est bon, on essaye d'intercepter. Allez, tant que la neige prend, frère. La toigner. Fais confiance, je fais ça. Il a tourné, vas-y. Fais 14, tu sens que sur 31. Ah, si tu l'interceptes là. Non. Dommage. 10 ans, s'il te plaît. On arrive au B-News. B-News. On part direction parc central. B-News. Ok, go. On va repasser devant le parking rouge, direction PC. Vas-y, de l'autre côté. Parking rouge. Ils ont tapé, je répète, ils ont tapé. Ah! Où? Vous êtes où? Vas-y, là tu peux le faire. Là il peut plus rien faire. Faut le laisser pas se prendre la voie parce que sinon il me brinque trop. Direction parking central. Rien vu. Direction hôpital. 10:50. Oh, hermano. Oh, hermano, tranquillo. FBI, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. FBI, hermano. Arrêtez-vous. Position, s'il vous plaît. Code. Putain, ils sont... On passe devant l'armurerie. On s'est fait agresser par une moto avec un individu en violet dessus, j'ai terminé. 10-20 s'il vous plaît. Vas-y. On a une personne jeune qui nous menace avec un chat. Arrêtez-vous! J'ai pas fait exprès! Arrêtez-vous, j'ai pas fait exprès, mais arrêtez-vous! Oh, hermano! Oh, encore toi! Oh, purée! Bouge-toi! Bouge pas! Je le mets, note, couvre-moi!
Vas-y, je te couvre, collègue. Oh, hermano, s'il vous plaît, je suis malade des menottes. Mais aïe, mon gars, donne-moi deuxième fois. Petit requin. Non, hermano, hermano, des menottes, moi, s'il te plaît, je suis malade des menottes. Non. J'attrape le coronavirus quand j'ai des menottes. Position sur la moto, s'il vous plaît. Hermano, s'il te plaît, ça me fait trop mal. S'il te plaît. Non, il y a un autre individu en bleu qui court autour. Je vous desserre un tout petit peu les menottes. Attention, faut les yeux. Faut rouvrir les yeux là parce qu'il y a une mère qui va arriver là distant. On te desserre un tout petit peu les menottes, mais on les enlève pas. Non, on le serre. Ok, ok. Serre, Manu, s'il te plaît, desserre. Serre fort. Desserre. Ah bah là, c'est mal. Allez, on l'embarque vite parce qu'avant. On l'embarque vite avant la mère qui arrive. 67-18. Allez, en bas, on a une personne bleue qui est en bleu. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Il va me mettre un coup de hache à ma voiture civile. Bon, bah. 33, j'ai interpellé un individu. Ouais, j'ai 19 à 14. Elle est où son arme? Je suis malade, j'ai mal au moins. Si moi, c'est écrasé, j'ai pas fait exprès. Dans la boîte, ok. Dis-le pour l'arrêt. Et la moto? Oh merde! Le gars en bleu qui nous menace une hache et qui me met des coups de hache. 33, j'ai interpellé un individu, j'ai fait un appel. Je suis tout seul. Ouais, on est du FBI, ouais. Une tech, vas-y, dépêchez-vous. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Là. Différentes explosions au niveau du PDP, ça s'enchaîne. Oui, mais là, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je comprends rien. Genre, la moto, j'arrive pas à rattraper avec la Lambo. Hein. Oh putain. Comment il est où? La moto. Droite, vas-y, continue. Roule. Ah! Vas-y, tout droit. Il est à gauche, il est devant, il est derrière, il est à droite, devant l'hôpital. Vous avez le droit de regarder le silence, chut! Vas-y, je lui laisse droit Miranda. Allez, vas-y. Vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit d'un avocat et d'un docteur. 33, vous avez le droit d'avoir de la nourriture là, et de l'eau. T'es sans voiture? Sans voiture. Non, j'ai pas compris. Je veux une unité maintenant qui lâche la moto et qui prend le 33. Ok, je vais répéter. Vous avez le droit. La moto là, c'est lui. Aïe! C'est lui, il m'a tapé. Vas-y, poursuis-le. À droite, tu passes à droite. Tais-toi. Il était avec un individu ou t'es tout seul? Tu as le droit de garder le silence. Qu'en avait dit, putain, on invoquera contre toi lors d'un tribunal, d'accord? Alors, on a un gars qu'on tase qui ne prend pas ses coups de tase, on a tout. Arrête-toi, FBI! Quoi? J'arrive. Arrête-toi! Je peux passer à la catégorie 3? Tasse-le. Non, mais puisque. Vas-y, je vais essayer. Puisque le taser ne lui fait rien, je vais lui tirer à la M4. Tu sais, il était autorisé? Ben, j'ai un taser là dans la main. Ah oui, c'est bon. Il est devant le commissariat, c'est ça? Non, il est devant le commissariat. Parking central, j'arrive. Vous êtes catastrophique au taser. C'est logique. Non, il est passé à gauche. Un peu d'épée, bien sûr. Tout ce que vous direz sera retenu contre toi. Oh putain! Hermano! Oh merde! On ne croira pas besoin de nous au final. Évidemment, t'écrases tout le monde. Ah bah, là, ils l'ont défoncé là. Je lui strike. Oh, désolé. Oh lol. Elle est où? Vous l'avez interpellé? Oui. De façon un peu brutale, oui. Il est où? Pas grave, on ferme les yeux. Oh, faire boom au niveau du PDP. On a des bombes au niveau du PDP. Pompiers, vous allez bien, monsieur? Libérez-moi! T'es ce n'importe quoi? À l'arrière. Mano, avance. On va parler, on va négocier. Hermano, fais un petit tour. J'ai 14, j'ai l'autre avec moi. Hermano, toujours reste la voiture. 14, désolé, mais j'ai l'autre avec moi aussi. Hein. Ah, emmène-le en bas, tu l'arrêtes, tu l'emmènes en bas. Monsieur le policier. Faut pas un MS ou pas? Oui. Ah, mais bah, je pense que j'ai répondu. Entre nous, vous pensez que c'est bon pour porter plainte? Non, mais. Attends, remettez-moi en question. Je souffre, s'il vous plaît. On a un gars arrêté, on a un gars à terre, et pour un truc que vous pensez, portez plainte. Et bah, vous tombez. Allez dans le poste de police, s'il vous plaît, vous gênez. J'ai mal avec les menottes, s'il vous plaît. C'est pas grave, ça. On arrive vers vous de suite. Descends. Quelqu'un peut appeler un EMS et il a pas l'air de répondre. Je peux pas descendre, on m'a mis dedans. Oh, vous m'avez percuté. Vous m'entendez, monsieur? J'avais un concert, putain. Quoi, vous faites demi-tour en plein de poids suifoussi, vous? Putain, pas je de demi-tour. Je reconnais, c'est Maître Gims, ça. Maître Gims. Vous m'avez tué, là.
Vous voulez un EMS, monsieur, ou ça va gérer? Vous voulez me tuer ou quoi? Vous voulez un EMS? Vous avez besoin d'un EMS, monsieur? En même temps, vous ne menacez qu'une, hache. Appelez mon manager. Quoi? Ouais, quoi? Allez, les gars, camouflez-le. Camouflez-le. Appelle les feneux. Camouflez-le avant les paparazzis qui arrivent. On va se faire enculer après là. Les paparazzis. Bon, 08, va mettre en bas le monsieur là. Ok. Hey. Bon, est-ce que vous avez besoin d'un EMS, monsieur? Mais non, descends pas. Ouvrez-moi la porte. Tu l'emmènes en bas avec le véhicule. Par le garage? Oui, par le garage. Appelez mon médecin traitant. Je crois que je me suis cassé. Je me suis cassé la gorge. Tu veux qu'on appelle Kivita? Hermano, Hermano, viens faire un petit tour. 33, l'individu qu'on a arrêté à SMG sur lui. Non, Hermano, on peut négocier. Fais un petit tour ici, s'il te plaît. Un tout petit tour. C'est catégorie 3, SMG. Je suis un fou, moi, tu sais. Moi, je suis un fou. Pendant catégorie 3. Hermano, on peut négocier. Ne fais pas ça. Rentre pas, rentre pas, rentre pas. Je te dis, je suis un fou, moi, les gars. Hermano, bon. Oh, Hermano, c'est quoi ton ordinateur? Hein? Bah, oui, je sais. Regarde. T'es sérieux, Hermano? Tu regardes des films? Tu regardes des films? Regarde le silence. La vas-y, magie, collègue, enlève-le là. Tu connais et t'as très bien compris, ok? Voilà. Pardon, j'ai pas compris. C'est bon, il a très bien compris, c'est droit. J'ai rien compris. Reste à ta place. Desserrez-moi les menottes, s'il vous plaît. Tu vas contre le mur. Je te lis à toi, loi Amanda. À compter ce jour, le 17/12/2020, à 2h40, vous êtes en retard de station pour. Poursuivre et braquage pour tous les délits. Vous avez le droit à garder le silence, je peux retourner contre vous. Vous avez le droit de la manger et des services médicaux. Vous avez le droit d'appeler votre avocat, mais si vous n'avez pas, serait donné du fils. Voilà. Hermano, viens en cellule avec moi, on apprend à étudier les droits. Il m'a pas dit les lois, mais il m'a pas dit les lois. Vous avez compris les droits? Comment ça, les lois? Tu veux que je fasse quoi? Les droits, tu m'as pas dit les droits. Viens avec moi, Hermano. C'est la même droit. Lis. Desserrez-moi les menottes, s'il vous plaît. S'il te plaît. S'il vous plaît. J'ai géré. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est, patati patata? J'ai pas compris. Il comprend pas, patati patata. C'est bon, il a compris. Non, j'ai rien compris. Relis trois fois, s'il comprend pas. Ok, troisième fois. Elle regarde le silence. Aïe, Hermano! Un kilomètre à pied, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Aïe, je suis passé! Aïe, Hermano! Bah, moi, je suis passé. Ah, ok. Tu peux me desserrer les menottes, s'il te plaît, Hermano? On arrive là, on va desserrer les menottes là-dedans. Ah, gracias. Frère, Hermano, viens avec moi en cellule, on utilise les drums grand ensemble. Non, c'est bon, je t'ai dit là. Ouais, mais bon, c'est pas très ouf, tes droits, Miranda. Oui, mais c'est drôle. Alors, fouillez. Alors, armes, voyons, confisquer, crochet. Ok. Non, confisquer, mais c'est pour ouvrir la porte de ma voiture. Hermano, non. Je aussi. Non, Hermano, tu passes un pistolet à bulle là. C'était quoi la dernière explosion? Quoi? C'est moi, j'ai en fait, j'ai tiré sur des papels, genre. Vous savez quoi? Si, c'est parce que je suis un acteur de la Casa de Papel. Justement, tu veux pas un autographe? Tu veux être avec lui? Il partait à pied et en fait. Non, mets-moi avec lui. Voilà. Compliqué là. Mais c'est venu de la punition de tout à l'heure. Ah, mais non, mais. En fin de service, vous en faites deux de plus. Je vous promets que j'ai pas fait exprès, vraiment. Je pensais avoir un taser derrière. Très bien. Un tour. Aïe! Voilà, attends. Tu peux pisser si tu veux. Hermano, tu veux avoir un peu d'argent? En échange, tu me libères. Ok. Hermano, combien d'argent? Attends, je ferme avant. Je te passe 10 000, je te promets. Attends, c'est fermé, hein? 10 000. 10 000 seulement? Hermano, 10 000, c'est beaucoup. Frère, quoi, 10 000, c'est beaucoup? T'es fou, quoi? Écoute, Hermano, je te passe 15 000 et là, maintenant, je te peux te passer 4 000. À 100 000, je te libère. 100 000? Ah oui, il va rester longtemps, lui. Hein. Hermano, je suis pas une banque. Il y avait où? Il y avait où? Tu vas. Là-bas. Au fond. Tout au fond. Allez. Viens. Non. Bon. Pas de bisous en cellule, hein. Non. Mais Hermano, 20 000. Les amendes, je sais pas, les amendes. 20 000, viens, Hermano. Vas-y, avance. Tu fermes ta bouche, t'avances. 20 000? Si, 20 000. 55 000, ça passe. Non, Hermano, 55 000, j'ai vraiment pas les moyens. Ah ben. Je te passe 20 000 et 10 000. 30 000 au total. Ok. Et tu me libères. C'est bon? 30 000 d'amende, après je te libère. Non! Ben ça change quoi? Bah oui! Mais non, mais Hermano!
Mais Fred, si tu vas payer 30 000 pour amende, non, mais Hermano, tu me passes l'argent et après, non, je te passe l'argent après, tu mets pas d'amende. Comme ça, t'as tout pour toi. Ouais. Allez, allez. On verra ça avec mes collègues après, ouais. Ouais. Faut lui mettre les amendes ou pas? Ouais, tu lui mets les amendes, tu lui mets cher à lui. Tu l'as fouillé? Mais Hermano, j'ai rien. J'avais rien sur moi, pas vrai? Il a rien sur lui, c'est lui le conducteur. Il y avait un pistolet, un bazooka. Vraiment pas. un minigun. Ok, monsieur, vous allez rester là. Il ment. C'est un menteur, Hermano. Dis-moi, dis-moi. C'est un criminel très recherché. Je l'ai vu dans sa tête dans la maison. Non, Hermano, commence pas à inventer les choses, s'il te plaît. Monsieur, allez, allez tout doucement vers le fond de la cellule, s'il vous plaît. Mais Hermano, j'avais pas ça. Tout doucement vers le fond de la cellule. Hermano, j'avais pas ça. Oh puto. Monsieur, je demandais de vous pencher en avant et de tousser, s'il vous plaît. De quoi? Baissez votre pantalon. Puto, il est fin. Penchez-vous en avant et toussez fort, s'il vous plaît. Non, ça m'a l'air. Allez, allez, allez. Non. Regarde dans le coin de lit, doit rester un peu de miette du sandwich. Contre le mur, je vous ai dit. Écoute-moi, poto, donne-moi manger, poto. Non. Il va manger. Vous avez faim? Quelque chose? Si, j'ai faim, s'il vous plaît, monsieur. Ah, moi aussi, j'ai faim. Tenue rouge. Ouais. Ah, j'avoue, attends. Poto, des merdes. Vous avez faim? Un maxi kebab, tu vois. Typique McDo ce midi, là. Il y avait un avocat. Vous avez mangé un avocat? Non, j'ai que du maxi kebab. Il y avait un avocat. C'était tomate, si, mais Hermano, la teinture. De l'eau, de l'eau. Mon avocat, il y avait un avocat. Piglo. T'as ta carte d'identité ou pas? SHP 14, 1023 MS. Tout se passe bien, monsieur? Attends. Au calme, Palbito, et toi? Diego, ok, Palbito, et toi? Diego, Ruco. T'as encore combien de temps ici là? Que temps ça coûte? Jusqu'à moins 10, ça va. Tout petit, Hermano. Moins 10? Tu peux... ah. Ouais, viens, c'est Charles, peut... s'il te plaît, j'entends. C'est bon là? Tu peux faire quelque chose? Ouais, ça y est, là c'est l'heure. Là, il est moins. Si, si, mais après, là, il est moins 25 là. Dommage. Dans 10 minutes. Hermano, Hermano. 15 minutes même. Elle est mal réglée ta montre. Hein? Non. J'ai pas de montre, toi. C'est pas on va le mettre dans un trou à rats. Ah, on va goûter de la paella. Mais pas dans le bon trou. Écoutez, là, Hermano, on peut négocier, franchement, j'ai de l'argent. Non, c'est pas là. Écoute. D'accord, moi je suis pas un flic corrompu, d'accord? Moi je représente le peuple. 5 000 $, tu mets une the poop? 5 000 $, non, jamais. 10 000 dollars, je le passe. 50 000 chacun, sinon c'est rien. Hermano, tu crois que c'est la banque? T'as volé deux épiceries quand même, ça va, hein? Écoute, tu fais ce que tu veux, tu vends ta CR s'il le faut, mais 50 000 chacun. Alors là, vous pouvez rêver, hein. Bon, là, monsieur, par contre, avez... Hermano, juste, j'avais pas autant d'armes qu'il disait, j'avais rien comme arme. Je vous énumère, il avait rien sur lui. Oui, je vous énumère quand même les faits qui vous sont reprochés là. Les... Si, et c'était pas moi, je conduisais au cas où, c'était pas moi. Si, moi je vous ai mis sur le véhicule. C'était lui. Hermano, à côté de moi. On est d'accord, c'était pas moi. Si, c'est moi qui l'ai vu. Bon, moi, j'ai juste pris dedans par choc. D'ailleurs, les deux que j'ai ratés, j'ai pris dedans par choc. On commence d'ailleurs, j'ai mal. Aïe. On commence crescendo, monsieur. Refus d'obtempérer. Appuie, ça fait moins mal. Qui se transforme ensuite en délit de fuite. Outrage agent aussi. T'as même canné, j'ai réussi à bien le viser. Pas d'outrage, les gars. Conduite dangereuse, non respect de la signalisation, non respect d'un feu rouge, non respect d'un stop. Excès de vitesse de côté. Bah t'as pas ça. Vous avez permis de conduire, monsieur? Si, bien sûr. Tenez. Allez, présentez-le moi. Wow, c'est pas un taser ça. Permis de conduire, lui? Bien sûr, tenez. Diego, elle part. Ok, bon, vous l'avez, c'est déjà ça. Attendez. Vous êtes né en 2003? Non, c'est. Il a même pas 15 ans, frère. Mais c'est pour ça, je vous ai dit, c'était pas moi qui conduisais, c'était lui qui conduisait. Il a 17 ans, putain. Ah, tu manges encore de la pâte. Non, c'est... Ouais, dégage, puto. Avec ta tête déballée à chiottes, poto. Oula. Bonsoir, monsieur, vous avez fait quoi pour arriver dans notre cellule? Il est SMG pied. Sur lui. Et si c'est pas vrai, on l'a retiré, j'espère au moins. Airsoft, vous l'avez envoyé au saisi? Bah, j'espère, attends, je vais vous demander. Si, on est occupé. Regardez, parce que là c'est bizarre. Collègue, tu l'as enlevé au moins la SMG? Oui, bien sûr.
Mais j'avais pas d'arme, hein. Tu l'as déposé au saisi ? On en a marre des voyous de bac à sable. Je crois qu'il lui reste la couteau, on prenait lui le couteau en cas où. Mais t'as eu le temps de déposer au saisi ? Il faut tout retirer hein, s'il a pas le permis de port d'arme. Comment ça, je suis bouché ? Il est sous-bouché. Ah ouais, t'es bouché, d'accord. Et moi, quand je suis flic, je prends mon arme en dehors du service. Les acteurs porno, quand pas, ils se baladent, c'est pas une. Mais il prend sa bite, un acteur porno. C'est normal. Ouais. Non, non, non. Bah non. En 14 à 14, de la personne qui sort moto, c'est un autre game, ça. Il y a pas que sa bite avec l'acteur porno, il y a des godes. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, okay. Ah, toi, d'accord. Toi, acteur porno PD, donc. Quoi ? Tu mets un god dans le cul de la femme, t'as le droit. Ah, si, si, d'accord. Top PD. 14. Oh là là, on se calme là. Parce qu'on a quelqu'un qui se porte plainte contre lui. Ah, bah c'est lui, il dit ça, il dit tout bizarre. Demandez de lui de chanter pour confirmer. Oui, il m'a shooté Bella, zombie, et je me tire en même temps, c'est je me tire, il le fait quand il se tire. Ah, il est bouché, c'est mon métier, c'est mon métier. Ouais, bon, on fera jeu par rapport à ça. On avait senti la viande sur vous, monsieur. Allez, contre le gars, s'il vous plaît. Faites la procédure. Ah, il s'occupe des MS. Pourquoi c'est rouvert ça? C'est quoi ça? Pourquoi c'était rouvert, hein? C'est pas mal parce que t'as envoyé du bec à sable, de plus, t'en vas pas. Tu peux vous faire un pack juste devant vous. J'ai oublié mon pull sur le lit. Comment? Et pas le bito, tu peux passer mon pull? Mon pull sur le lit. Bon, ça, je te prends ça. Ton téléphone, je te prends ton téléphone. J'ai trop envie. Je te prends ta radio, tout ça, tout ça. Ah, s'il te plaît, je crois que. Pourquoi tu prends un. Merci. Tan 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 tan. Il est où Iris? Irisson. Ah ouais, où t'as ça? Ouais, je parle exactement ça. J'ai une idée. Après, si vous êtes chiant, c'est pas, c'est pas pour la radio. Vous, le petit poussin, vous avoir déjà dit de sortir. Alors, mon idée, on en a rien à foutre, vous comprenez pas ça? Je fais sa célébration. Ouais. Oh, on a foutre. Vous êtes con et chiant. Retournez dans votre commissariat éclaté. Les gens sont méchants, je vois tu hein. C'est incroyable hein. Je comprends pas les gens qui sont méchants comme ça frérot. Oh t'es où? Hé hey, calme pompier. Hé hey, pompier. 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 Oui. Oui qu'est-ce qui se passe? Pompier hey. Oh pompier. Pompier. Hé hey. Pourquoi j'entends un truc? J'ai vu j'entends ton camion, ta gueule toi. J'ai vu ton camion oui. À côté Pôle emploi tout à l'heure. Oui mais il y a un monsieur dedans, il veut pas sortir. Attends tu parles pas à moi? Ok d'accord. Okay. Ah ok, d'accord. C'est pour ça. Ok. Merci quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? T'es où Iris? Je suis à l'hôpital, il y a monsieur Gims qui est en train de se faire opérer. T'as un moment. Ouais on est en train de l'attendre pour bah, je vais venir pour aller. L'arrêter. Vas-y vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire 08 quand on est solo, faut dire quoi 08 Ah, je vais dire Cyclope avec moi. On va dire Cyclope avec moi. Ouais. Code. Ouais bah je vais dire viens on va voir Iris montant sort en haut. Ok j'arrive. Monsieur Gibbs. Ah ouais pour mon 4x4. Yes. Attends faut dire quoi là 0. Tu sais quoi c'est faut dire là? Pas du tout. Putain, central, je crois que c'est Adam, là, non 30. Repars avec la Lambeau et prends un SUV. 08 pour Capitaine, j'arrive en SUV si vous voulez. Tu peux répéter 14 pardon. Le Lambeau, tu le reprends, tu prends un Lambeau, tu fais un 19 et tu prends un SUV. 14. Et j'écoute. Ah, mais j'ai même pas allumé la radio, moi. 19 ? Non, j'ai dit les informations, les transmettez pas comme ça en radio. Qu'est-ce que pardon ? Faut dire quoi là ? Je suis fier, j'ai fait ma première arrestation. Même avec un œil, j'ai réussi à viser droit. Adam 08 10 41 à l'hôpital. Ah, 10 16. 10 16. Avec un SUV si vous voulez 14. Ah, c'est bon.
On va récupérer l'autre. Ah là là, prends des cols ici, toi. Tu vas te faire virer à la fin de la semaine. J'en connais aucun. Mais tu vas te faire virer à la fin. Ah si, 10-4. Ouais, mais tu vas te faire virer à la fin de semaine. Ouais, faut que je révise. Ils vont te faire un contrôle. Je vais faire une fiche de révision. Bah ouais. Au moins, je suis visé, c'est déjà ça. Ah là, c'est bon, faut y aller. Ah, j'ai trop couru là. Ah ouais, moi j'ai mis deux pare-chocs aux deux personnes. Ouais, mais toi t'as trop géré, GG frérot. J'ai fait Assassin's Creed moi. Par contre, faites gaffe à Monsieur Gims quand il dit je me tire, ça veut dire qu'il se tire vraiment. Hein. Quand je chante la musique, je me tire, voilà. Bon. $34 pour $99. Hop, 34 pour 67. Ah, 10-4 Mercedes. Vous pouvez venir aussi, le s'il vous plaît. 19. Est-ce que vous pouvez venir aussi, le. Ah, il y a un souci avec. 4, j'arrive. J'arrive. Attendez, je fais un truc. J'ai une opération. Pa. Quoi? C'est bon, j'ai payé. Oscar? Ouais. La voiture devant le l'hôpital, c'est pas celle qu'on a pris en charge tout à l'heure? Si, si, mais sauf qu'elle change de couleur. Sauf pas. Je sais pas. Ouais, ouais, peut-être. Ah, j'ai pris un plaque tout à l'heure, j'ai déjà raté ce gars. Mais bizarrement, trois fois que je le vois, trois fois la Merco change de couleur. C'est Maître Gims? Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est Maître Gims. Quoi? Attendez, j'ai posté un truc sur Insta. Hop là. Ouais. Gims qui fout des coups de hache aux policiers. Ah d'accord, ok. Ah. Bon, bah on reste ici. Hein. Ah, oui. De toute façon, il peut pas aller bien loin, il n'y a qu'une sortie. Non, il y en a une là-bas aussi. Ah, non, je vais la vérifier, attendez. Mais ça barré, moi, les gars. Un policier peut l'accompagner? D'accord. Mais ça barré. Il sera barré? Missa barré, mais je m'en vais. Ah! Pourquoi ou. À moi ça dormi, m'a fatigué. Ah, à moi aussi. À moi ça, j'ai. Ouais. Bah, ok, 14. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais opposer mon œil. 34 pour 0,8. Pour moi, 0,8. D'accord. 57 pour 34. Il est parti où le collègue qui était avec vous? Il est avec moi. Lequel? Il est parti avec vous, voilà. Il est là. Bah, allez, 67 pour 08. Oui, je t'écoute. Vous avez cité les droits à la personne en cellule ou non? Personne qui vous demande en haut. Vous avez vu Instagram? 69 pour 99. L'IA vous demande au PDP. J'ai regardé Instagram. Dit, là. Allez, ouais, viens. On va prendre un problème. Prendre une prise, une fin de service. Bah attends, faut aller enlever ses habits déjà. Allez, au revoir, Buck 14. Ouais, au revoir. Ouf, on va rentrer à pied, le bâtard. On peut en prendre la meilleure coup. C'est pas la meilleure coup, hein. Non, celle-là, là-bas, regarde. Où ça? Par contre, vous avez vu, ils dansent tout le temps, eux. Eh bah, dites-leur qu'ils peuvent m'attendre. Je suis occupé. OT 67 pour toutes les unités. Les personnes en cellule, elles sont à quelle heure? Elles sortent dans 20 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème encore? On a pas besoin de ça, pas? Eh, je peux emprunter votre véhicule? Il y a un problème. Non. Comico. J'écoute. Non. Le maître Gims que j'ai arrêté, bon, là, si tu es, elle l'a embarqué pour les examens plus loin. Okay. Mais sauf que moi, j'ai pas accès, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas aller au fond des examens plus loin, c'est-à-dire.
à des examens, vous savez, tout ce qui ira, tout ce qui ira, tout ça, quoi. J'ai conduit. Non, j'ai conduit, sors de là, sors de là. Bah ouais, mais sauf que je suis au truc B, mais je vais pas rentrer dans le truc B. T'es malade, toi. Ok, bah attendez. Eh bah vous savez quoi, attendez. Ah, on prend pas. Eh bah, mon truc, il s'est barré, maintenant il est au crucial. Super bas. C'est City qui l'a arraché, en cas où. Interroger City si elle a vraiment fait embarquer là pour complicité d'évasion. Ça pour 99 et 14, vous pouvez le faire par téléphone s'il vous plaît. Ensuite, de 99 à 12, off radio. Vas-y, on se dépêche, 33. Attends, je vais dire 14, je laisse le SV. Ah, je laisse la SV pour toi. Off radio, je prends le même. SV là-bas. Ok. Il est où là? Il est resté là? En voiture, Simon. Ouais, 33 est resté là. Accélère. J'accélère. Ok, vous êtes en accélération. Vous l'avez vraiment mis dans l'eau? Est-ce que vous êtes en tas de ration? Vous avez accéléré, vous avez brûlé 5 feux rouges. Oui, Nussi, non, quand non, 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 poste, alors, vous allez au poste. Alors là, on va vous dire la police qui vous met voyez, des mains d'accélérer, j'accélère. N'importe quoi, j'ai jamais dit que je suis pas en service. On vous braque avec un doigt, vous pouvez plus bouger. Non, je rigole, la famille, allez, la trouver. C'est vraiment un taxi ici. Allez. Bonne journée. Faites attention à vous. Il y a des gens qui font passer pour vous, ils prennent des mercos comme vous et ils font n'importe quoi. Et ils changent de couleur et tout. 78. Bon, il s'est barré, il a jeté un truc à City, Maître Gims. Putain, il s'est barré, le Maître Gims. Vas-y, hasta luego. Hasta la morego. Buenasera. Jusqu'à la muerte. Jusqu'à la muerte, si. Il y a malgré que tu te caches, hein. Si, à la classe de l'incantation, si. Adam 34, TS 41, secteur 1 et 2. Oh là, Katine, les gars. Adam 14, il y a un mot. Come on, I don't know. Du coup, Maître Gims s'est barré, bah... La bouche. D'accord. 08, fin du service, bonne soirée. T'as dit quoi? J'ai pas 30 entendu. Ouais, moi je dois y aller, c'est pour ça. Ok, bah, vas-y, puisque... En fait, puisqu'ils sont partis, j'étais libre, mais vas-y. Alors, si je résume bien la situation, les faits sont sur. Bonne soirée, capitaine. J'ai dû voler un camion de l'Asperger. Ah, c'est pas le bon. C'était pas capitaine. T'es pas resté dans la... tranquille, la famille. Pas besoin, imagine si je serais obligé. Non, je vais tuner mon arme après. Le tuner, moi. Je vais mettre la couleur. Fin de service. Pff, il s'est cassé. Écoute-toi de radio là. Mais ta mère, tu vois pas là quoi? Mais t'as la merde dans tes yeux ou quoi? Grosse. What? T'as la merde dans tes yeux ou quoi? Mais pourquoi? Attends, quelqu'un a plagié à ta voiture ou quoi? Comme d'habitude. Waouh. j'entends les clochettes de Noël ou... C'est mes couilles ça.
Oh, putain. Je crois pas qu'on a le droit de la pourchasser, non. Ah, c'est ton klaxon qui fait ça? Non. Bah, c'est quoi ce bruit alors? Taf. Est-ce que j'existe? Oh, je sais bien comment dire moi maintenant. Oh. Ah, toi, tu sais pas. Toujours en prison, je vais devenir fou. Ah, putain, en plus. Voilà, en plus, je t'ai pas mis d'amende, moi. Si t'avais 5 ans et demi, t'aurais sorti plus tôt. Dommage. Dommage, hein. En tout cas, c'était drôle. Mais tu m'as bien foncé dessus. Mais frère, le frein, il y a la neige, frère. Le frein, regarde. Lâche frein, ça prend. Ça accélère quand même, tu vois. J'ai, ah, ce bruit, il est insupportable. J'ai foncé sur deux personnes, frère. Mais sans le vouloir. Arrête de rouler pour voir. Quoi? Mais il y a un bruit insupportable quand tu roules. Mais alors, c'est mes bouches, t'ai dit. Oh. On va où? Chez nous. Quoi? Chez nous. Arrête de me parler, je te parle pas, je t'ai dit. Tu me mais dois pourquoi de je t'ai rendu... Quoi? Tu me dois de l'argent. Je t'ai rendu mes 20 000 et je t'ai donné 5 000 pour que tu sois... Arrêtez d'être en colère et là tu continues à dire que je te donne de l'argent. Ouais. Donne-moi 10 000 après on se pardonne. Ah non, j'ai plus d'argent là. Ah bah zut alors. T'arrêtes de me prendre à tout ça là. Déjà t'as 20 000 là dans ta poche, alors commence pas à te plaindre. Hein. Non, je suis 63 000. Bah voilà. Et tu ne donnes même pas à ta soeur. Bah tu non, préfères, tu dois. Bah oui, bien sûr, je te dois, oui, bien sûr. Je voulais m'acheter un truc, mais non, monsieur veut encore acheter un truc pour lui et pas pour moi. Tu vas faire quoi là? Tu vas dormir? Bah, demain tu pars à l'école? Quoi? Je vais plus à l'école moi. Ah, demain tu pars pas à l'école? Tu fais quoi là? Je vais te grimper. Pars pas à l'école demain? Mais... déjà, jamais eu école. Tu enfin, pars à l'école demain ou non? Bah oui. Ah zut alors, putain, j'allais faire du... Call of Duty, mais s'il y a personne pour faire du Call of Duty vraiment, bah... C'est dommage, tu vois. Du coup, si on fait pas du Call of Duty, c'est à cause de Chichou. La Twink. Les risques qui cassent les reins. Oh putain, aujourd'hui j'ai bien gueulé sur toi, c'était tellement. Ah, c'était drôle. Énervant. Ah, putain, à peine j'essaye de taper, je tombe. Regarde, j'ai gardé l'arme du service. Non. Et tu sais, il y a. Yeah. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Y'a. Y'a. Miyamo. La place pour Oscar. Vas-y, tu me parles plus, vas-y, casse-toi. Casse-toi! Attends, je prends mes 20 000 avant et après je me casse. Attends, hop là. Voilà. Vous avez aimé le live, les gars? Est-ce que vous avez aimé le live? Est-ce que vous avez aimé le live? Moi, j'ai arrêté deux personnes. Je retiens. Merde. Ça. Ah bon, j'ai essayé de freiner. Bon, j'ai arrêté en fonçant dans le pare-choc, mais bon, c'est la tiens, neige. Prends ça! Arrête! T'es pas possible, quoi! Putain! Tiens, casse-toi là, c'est bon, casse-toi! Tu m'as crié dessus toute la journée. J'arrête de m'énerver. Tu t'écris pour qui? Pourquoi tu me cries dessus? Casse-toi, putain, c'est bon. Reste là, moi. Reste là. Ouais, comme d'hab, c'était cool. On a bien rigolé. Ouais, c'était drôle. On s'est amusé, c'était drôle. C'était drôle, ouais. Pring. Demain, Inch'Allah, là. Hein. Merci pour ce live. Il était lourd. Ouais, c'était bien amusant. Ouais.
On va s'améliorer avec le code et tout. Pour les gens qui disent ouais, tu sais pas jouer flic, ben c'est normal, je viens de commencer, frère. Je peux pas être doué du premier coup, hein, c'est normal. Hein. Du coup, soyez patient et on. C'est bien amusé. Faut que je monte de grade là, comme ça, des verres me donnent une Mercedes. Mais police, faut que j'arrive officier. Non, pas officier. C'est quoi le truc après cadet? Un agent normal quoi. MDA, t'es là? Oh putain, ça m'a fait marrer. Vous, comment vous êtes dû débarquer? Merci, Peck. Bonne nuit à tous. Merci, merci, Peck. Merci. Bonne nuit à vous tous. Merci pour la force. Merci pour tous les gars, vous gérez. Merci pour les gens qui ont resté début jusqu'à la fin. Merci pour les gens qui sont seuls. Merci pour les gens qui ont donné des bises. Merci pour les gens qui ont donné la force comme d'habitude. Merci à l'armée pour Mix. Et si demain, Inch'Allah, il va live, on verra bien. Je vous tiens au courant. Moi, demain, normalement, ouais. Ouais. Et passez une bonne soirée. Ciao!